ça par des gens vivant que moi. Voilà. Si je me pose. Non, laisse-moi tranquille, le chat. Voilà. Mais du coup, tu fais comment pour jouer à deux là-dessus? Tu fais ça. Tu en local ou en semi? Non, en local, ouais, comme tu veux faire jeudi, quoi. En local, tu fais ça. Tu fais le téléphone, appelle un habitant. Voilà. D'accord. Et après, bah, t'as une deuxième manette, quoi. Eh oui! Tout simplement. On va quand même bien m'installer. On va essayer de passer pour quelqu'un de dynamique et actif. Hop. Voilà. Tout, tout, tout. Alors, aujourd'hui, je sais même pas quel jeu, au bout de combien de temps on est là. Genre ça fait 6 jours qu'on a le jeu. On a joué vendredi dernier. Du coup, du coup, vu qu'on est mardi. Ça ne fait que 5 jours. La plupart des gens, ils ont un jour d'avance sur moi. J'ai baissé la sensibilité du micro pour pas que ça gueule non plus. Oh putain, à côté, je me fais attaquer sur d'autres jeux. Tu sais que tu peux me donner la manette, je suis juste à côté, hein. Oh. Pour l'instant, ça va. Si tu as besoin, je suis là. Je veux bien un café, un vrai café. Parce que je sens que... What? C'est quoi ça? C'est moi. On m'a dit... Il y a Sabrina, elle m'a donné ça et elle m'a dit mets-le quelque part. Je sais que tu feras au mieux. Et du coup, je l'ai mis là. Côté des fleurs. Mais on peut pas y aller. Bah non. Bah je suis déçu. J'ai essayé aussi, mais ça fonctionne pas. J'adore ce temps pourvu que ça dure. Bah en vrai moi je préférerais largement qu'il pleut un peu. Parce que voilà. Avoir des bestioles qu'il y a que quand il pleut. Parce que là il y a plus qu'une fois. C'était une matinée. Bon. Allons voir le cours des navets. J'ai pas été voir. Quand je vais te faire ton café, pendant que ma page elle charge, parce que je sens que je vais jamais arriver à faire un drive, les gens ils sont tous en mode c'est la fin du monde! Alors elle ne peut pas faire ses courses normalement. Les cours du navet. Selon le cours, je l'achète tes navets 63 clochettes pièces. Mais putain, c'est quasiment comme ce matin. Je commençais à me poser la question, est-ce que...
commence à me demander si vraiment ça change l'après-midi, quoi, parce que... Bah normalement oui. Elle est pas à l'heure ta Switch. Pourquoi elle est pas à l'heure? Bah si, il est 15h43 mes gens, hein. Ouais, j'ai quelques minutes de retard. D'ailleurs, c'est bizarre qu'elle soit pas à l'heure, ma Switch. Parce qu'en théorie, elle est connectée sans Internet. Ça me gonfle. Jusqu'à la fin du monde, mais... Ah, j'ai réussi à acheter des pommes. Ah, c'est bon, ça peut plus. Il va pas me faire chier si jamais je lui dis. On va faire ça au pire. Voilà. C'est bon, j'arrive à faire des courses sur le drive du Carrefour. Impeccable. Je pense qu'il faut que je relance le jeu. C'est parce qu'il chopait pas le. Il chopait pas l'heure par rapport à Internet. Bah, je pensais. Je pensais. Je l'ai peut-être désactivé. Ah oui, mais j'ai désactivé pour essayer de faire le truc sur Pokémon. Dans le planning, c'était prévu à 15h le début du stream. Oui. C'est ma faute, je l'ai pas réveillé à l'heure. Mais voilà. Voilà, déjà. Hein? Et puis surtout. Oh, il manque encore idée. Et puis surtout. Merde, hein. Voilà. Je dormais un peu plus. Effectivement, je pourrais le faire, mais là, déjà, je suis encore en train de d'émerger, alors... Alors, ça c'est fait, ça c'est une punaise, ça sert à rien, enfin ça sert à rien. Bof bof, quoi. Du coup, là, je suis en train de me demander qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, mais j'ai encore des trucs à faire, genre... là, il y a le trou. Que je n'ai pas récupéré pour moi. Alors, de ce que j'ai compris, pour avoir un arbre à clochette, il faut littéralement lorsque tu as un trou qui est comme ça, c'est minimum 10 000 clochettes, tu l'enterres et tu récupères 3 fois ta mise. Si vraiment ça fonctionne, la prochaine fois j'économise et j'enterre 200 000. Comme ça je récupère 600 000. Elle peut passer la nuit avec Ghost. Bah que voulez-vous, ils m'ont fait chier avec Ogame. Entre un qui me fait chier avec Ogame et l'autre qui me fait chier avec, avec Total War. Merci du follow The Magnifique. Comment vas-tu? On a fait à 1000, vous? L'arbre à clochette? Ben, je crois, je sais pas si ça fonctionne à 1000. Après, moi, je suis pas un gros connaisseur, hein, donc on m'a dit, ouais, si t'enterres dans ce trou-là, 10 000, bah... aura un arbre. Sauf que ça marche pas comme ça dans les autres Animal Crossing, l'arbre à clochette. Donc c'est déjà dans les autres Animal Crossing, c'est une chance. C'est pas que tu aies un arbre. Là, on m'a dit ça fonctionne quoi qu'il arrive. T'as oublié un fossile. Non, c'est pas un fossile. C'est pas un fossile. Non. Pas un fossile. Vas-y, creuse. C'est pas un fossile. En fait, j'avais plus de place, donc j'ai creusé, j'ai récupéré le fossile et autre chose à la place. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais parce que j'avais plus de place et je devais aller le chercher, je l'ai oublié. Le reste, j'ai été le chercher, mais celui-là, je l'ai oublié. Tu vends pas des pépites de fer, des mauvaises herbes? Bah, j'en ai plein, en plus. Des pépites de fer, en fait, à force d'aller sur les... Sur les îles, là, j'en ai plein. J'ai même eu des pépites d'or et tout. Et bah, pour l'instant, je vois pas trop à quoi ça sert parce que j'ai pas de meubles à faire.
Je suis inondé par la ferraille. Je pourrais ouvrir une quincaillerie, ça serait pareil. Tu peux voir un peu? Bon là j'ai du brin-brin. Hein. Les ressources, j'ai presque 4 stacks de fer. Tu veux pas me vendre des pépites et des mauvaises herbes? Ah, toi? Bah, si tu veux, mais pourquoi tu veux acheter des mauvaises herbes et des pépites? Mauvaises herbes, j'en ai presque 2 stacks. Y en a besoin pourquoi? Regardez ma salle de bain dégueulasse là, mon sol il est. C'est une autoroute. Ah ouais. J'ai essayé de faire une salle de bain et on me donne quoi comme papier de sol là? Une autoroute. Bon. T'en as besoin pour ton magasin et des bains? Bah écoute, soit si tu veux 2 stacks, je peux t'en donner 2 stacks, moi ça me débarrassera. Yo Yokin. Alors, comment est-ce qu'on fait? Si tu veux que je t'ouvre mes portes, peut-être. Ou que moi j'aille chez toi. Comme ça, on peut voir. On peut voir comment ça fonctionne pour aller chez les villes des autres. Parce que je suis encore allé dans aucune ville. Toujours pas construite celle-là. Allez, on a bien fait au moins. Oui, parce qu'il y a vendu, donc normalement il y a tout. C'est juste qu'il faut attendre. Ça veut dire qu'en gros, il y a 2 jours, quand je voyais des mecs avec la mairie qui se construit sûrement en un jour. Donc ça veut dire que les mecs avaient 3 jours d'avance, sachant que là, il faut que l'autre habitant y vienne, parce qu'apparemment, c'est quand 3 habitants viennent supplémentaires dans votre ville. Donc du coup, ça veut dire qu'il y avait des gens, il y a 2 jours, ils avaient 4 jours d'avance. Donc ça veut dire qu'ils en avaient, en fait, ils ont quasiment une semaine, quoi. Mon code dodo. Mais je ne sais pas c'est quoi mon code dodo. Ah, par contre, c'est du bordel. Oui, ben écoute, moi faut que j'aille faire construire ma maison. Bah, ah, les bellules. Mante religieuse, libellule. Là. Quoi? Hein? Une mante religieuse, libellule. Là. Mais c'est pas une mante religieuse. Une mante orchidée. Une mante religieuse libellule. Une libellule, non, mais quoi pas. Je vais hein aller me coucher, je crois que. Quoi? Qui dit des bêtises? Je sais pas où est-ce qu'on le voit le code dodo. Mais attends, je vais te. Bah, va te coucher, tu verras peut-être le code. Le problème, c'est que ma copine, elle a laissé ses trucs par terre. Ben oui. Du coup, bah, n'importe qui vient dans la ville, il peut te les prendre en fait. Ah, ben oui, mais je dois. T'as un hamster? Oui, j'ai un hamster. D'accord. Bah tiens, je te donne. Je te donne 2 stacks de fer et 2 stacks de mauvaises herbes si tu veux. C'est à l'aéroport qu'on me dit. Il est où mon kawa? Ah, je vais faire, attends. Je suis tellement contente d'arriver à rentrer dans un drive avec de quoi acheter en fait. Je peux dépenser de l'argent. Je peux dépenser de l'argent, je peux faire mes courses. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je veux recevoir des visiteurs. Alors, est-ce que tu penses à quelqu'un d'une île proche en hein, du joueur local ou plus éloigné via le jeu en ligne? Alors, respecte les autres joueurs. Ne triche pas. Alors là, tu peux éliminer la moitié des joueurs d'Animal Crossing avec le time travel. Je te connecte à Internet. Connecte-moi à Internet.
Qui veux-tu inviter? Tous mes amis! Invité par Dodo Code. Alors, quand le journal est fini, je te donnerai un code à 5 caractères. Il suffit de le partager avec les gens que tu veux inviter, ce sera leur sésame pour venir te voir. Oh, mais tu dois aussi savoir que ce code ne sera valable que le temps de cette visite. La prochaine fois, je te communiquerai un autre code. C'est bien ça. Alors, qui veux-tu inviter? Juste mes amis ou un max de monde? Je sais pas, je dois mettre juste mes amis. Parce qu'un max de monde, j'imagine que c'est pour faire venir plein de gens. Alors que juste mes amis, ça doit être que quelques personnes. Ou c'est vraiment genre juste mes amis et c'est les gens dans ma liste d'amis. Max de monde? Ok, d'accord. Donc ça, c'est par rapport à la liste d'amis, quoi. Tu risques de laisser entrer de parfaits inconnus! Mon dieu. Ouais! En fait. Peut-être aller tout ranger ou tout mettre dans mon truc un peu ce que... Je vais aller les ramasser. Alors, MKW5L. Est-ce que tu as le code? Merci de terminer la conversation. Donne-le à tous ceux que tu veux inviter. Sache que quand l'accès est ouvert, des visiteurs peuvent venir sur ton île n'importe quand. Ça peut être des gens que tu connais pas. En fait, ça peut être n'importe qui. Donc si tu joues en bonne compagnie et que tu ne veux pas être dérangé, préviens-moi, je fermerai l'accès. Tu peux fermer l'accès. Quelqu'un est en route pour venir ici. Ouais. D'ailleurs, tu vas pouvoir me briefer sur... J'arrive pour ranger les dits, je vais les mettre dans mon stock. Ah, bah Zutsu va venir sur l'île aussi. Arrivant originel Mongli de Kanto. Ah, bah ça fait plaisir. C'est toi en fait qui as choisi le nom de l'île? Oui, c'est l'île des plaisirs. Oh mon guerrier. D'accord. Pour ça, je te demande si... Qu'est-ce que vous voulez donc? Si c'est toi qui as choisi. Manger. Manger. Bah oui quoi. C'est pas l'île des plaisirs, s'il n'y a pas de sanglier. Oh, bah non, hein! C'est l'île des plaisirs! Ah, il plaisantait. Il y a une cinématique à chaque fois que quelqu'un arrive dans la ville? Oh, il a la casquette Pokémon! Il a la même! Ah! Yeah! Elle va mieux, elle. Bah, elle me va très bien aussi. Je peux chatter avec les autres joueurs. Ok. Bah de toute façon je vais ramasser le truc. Oui. Alors comment on fait déjà? Non. Comme ça. Oui, tiens. Je vais ranger ton brin-brin. C'est pas le moment de faire du rangement, t'as de la compagnie. Bah si, ça fait dégueulasse, enfin bon, c'est pas grave. Attends. Alors. Tiens. Vas-tu m'arroser généreusement? Ça va. Si. Non, c'est bon, ça s'est mis directement. Voilà. Ça va encore. Du coup, il se passe quoi là actuellement? Enfin, je veux dire, est-ce que je peux... Est-ce que les gens, ils peuvent interagir avec ce qu'il y a sur l'île? Est-ce qu'ils peuvent... Oh, il m'ordonne encore. Mon dieu. Mais merci. Donc là, je peux parler avec tout le monde sur l'île.
Kodak. Bon, ça a l'air de bien fonctionner. Donc tu peux forcément te servir des... Mais alors, si je me souviens bien, tu peux te servir de tous les objets, sauf la hache, parce que pour servir de la hache, par exemple, il faut être meilleur ami. Si j'ai bien compris. Je n'ai pas mon habit de pêcheur. Alors, tiens d'ailleurs, truc con. Là, sur les quais, moi, j'ai pas de poisson. Et je vois pas à quoi sert ce quai. Donc si jamais vous le savez, bah, je veux bien le savoir. J'imagine que ça accueille un bateau. Alors est-ce que Sacha du Bourg-Palais va y arriver? Et du coup là, quand quelqu'un pêche sur chez moi, ça se met dans un coffre, c'est ça? Enfin, j'ai pas trop tout compris sur les fonctionnalités multijoueurs en fait. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui joue en mode multi, qui sont genre bah vas-y, une fois on va sur son île, une fois on va sur la mienne. Et en fait, bah les gens ils farment quand ils font des trucs, ils les récupèrent dans un coffre à part, je crois. On a vu des poissons parfois, nous. Clairement, moi le quai, mais parce que en fait, je vous explique, j'ai regardé une liste des poissons qu'il y avait la journée, surtout au matin, parce que bah quand je parle du matin, c'est de 9h à 4h quoi. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait des poissons qui se capturaient en haute mer. Et je vois pas comment choper la haute mer en fait. Mario Kart. Ma copine peut dépenser de l'argent. Elle est contente parce qu'elle a trouvé un moyen d'acheter des choses. On fait un endroit où je peux faire mes courses en fait. Il y a des drives, les gens ils sont en train de se dire c'est la fin du monde, du coup ils sont en train de tout acheter sur le drive. Il n'y a plus rien. J'ai perdu mon gli. Sniff. Est-ce que je le vois sur la carte? Non. Ah putain, du coup il peut faire une partie de cache-cache avec moi. Bon, elle en a déjà acheté des trucs. Il n'y avait pas doigt de fée aujourd'hui? Oh, bah il y a un autre. C'est encore un truc qu'elle a hanté. C'est un truc que t'as enterré, ça? Elodie et Ange? As-tu enterré cette conserve? C'est peut-être possible que ça soit moi. Et mais c'est pareil. Pourquoi tu fais ça? Sale cochonne. Mais pas dans le bon sens, là. Tu crapis tout. Non, mais je crois que si c'est pareil, je vais aller la rechercher. Mais c'est nul. Ben oui, mais c'est pas ma faute, j'avais trop de choses sur moi et ça j'en avais besoin. Il veut me mettre une canne dans le cul. Hein. En plus, il y a rien là sur mon île, il y a pas d'insectes spéciaux, il y a pas tant beaucoup de poissons. Moi, faut que j'aille dans le sud. Le soir. Dans le sud le soir. Ouais. Pour choper les scorpions. Bah ouais. Bah ouais, mais je Du coup, si je visite une île du sud, là, les mecs du sud, ils peuvent choper des scorpions, des requins. Enfin, les requins, je sais pas, moi, perso. Mais du coup, si j'en pêche un, il est dans ma bébétopédie. Oh, merde, je l'ai pas eu. Quand tu pêches, c'est dans ta poche, je crois. Ah, d'accord. Ah, non, le truc du coffre là pour les ressources, je crois que c'est quand tu joues à plusieurs sur la même console. Enfin, je sais pas, c'est pas clair à 100% quoi. C'est pas clair à 100%. Une bouvière. Par exemple, le crapé, ce poisson de hein, ben, j'arrive pas à le choper. Bon, je ramasse tout. Regardez-moi ça. Qui vit ici? Une femme douce.
et gentille, qui m'a toujours pas fait mon café. Ah oui, attends, je t'en rappelle. Ou une clocharde. Mais il faut que j'aille faire ma maison. 2 minutes. Pas de soucis, Mowgli. Ben, je te remercie, du coup, grâce à toi, je sais comment ça fonctionne, le multijoueur. Je vais lui acheter un coffre. Merde, ah, tant pis. Je vais lui acheter un coffre, parce que, regardez, la première chose que les gens, quand ils arrivent, c'est, ils voient quoi? La chaise longue de... La chaise longue et de l'argile. Il vit là, à quoi ça sert? Tu sais pas. Et du coup, est-ce que j'ai un petit message pour te dire... Voilà, ok, d'accord, j'ai un petit message. Mais pas de problème. Et du coup, ça recharge. Ah ouais, donc si les gens, ils veulent t'infiniser... D'accord. Bah, ce qui serait cool, c'est d'aller sur une île de l'hémisphère sud. Faudrait qu'on trouve quelqu'un de l'hémisphère sud pour aller dans le sud. Ben oui. Non, attendez, je regarde juste. Merci. Ah. En plus, ça ne me tend même pas la hanse. Moi qui ai mes petits doigts fragiles. C'est pas du tout pour savoir si je me suis fait arnaquer ou autre, mais j'aimerais bien savoir c'est en fait combien tu vends un stack de fer. Il me semble que c'est pas beaucoup, hein, mais... parce que bon, voilà, j'ai trop de brin-brin à ramasser, le brin-brin des autres. Bon, je vais aller vendre tout ça. Donne-moi la manette et puis continue. Ça, parce que madame, elle a pas construit une maison. Elle a stressé ses chaussettes et tout là. Regarde-moi ça. Tu peux garder le petit dessin. Pourquoi? Bah, si t'en as 5, t'as un truc mystère. Je vais pas m'acheter 5 tapis, hein. Ça fait beaucoup quand même. Bon, ouais, c'est vrai que. C'est vrai! Que dit comme ça? Je te rends ta merde. J'ai même pas assez de place pour lâcher tout devant chez elle. Non, mais c'est vrai que le fer, au bout d'un moment, le fer se stack bien. Même si là, j'entends qu'apparemment, tu finis par ne plus en avoir autant, quoi, parce que. Sinon, je vois pas pourquoi est-ce qu'on en achèterait. Bon, moi, j'en suis à un stade où, honnêtement... Le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression... Y a pas de... Là, aujourd'hui, j'ai pas d'objectif, en fait. Je suis obligé d'attendre demain pour qu'il y ait Jean-Michel qui nous dise « Oui, il faut faire ceci, cela. » Nous, on a du mal à en avoir. Du fer. Si je voulais, j'en avais 5-6 stacks, quoi.
Il y a même des fois, j'en prenais pas. T'as acheté la machine à popcorn? Non. Bon. Non, je l'ai pas acheté. Parce qu'elle était là, hein? Bah ouais. Ah bah c'est que c'est quelqu'un de l'île. Regardez, 63 clochettes pièces, le navet. C'est nul. Bon, en gros, on lui a fait à moitié prix, mec. À Mowgli. Tiens, prends ma boîte vide. Prends ma boîte vide, ma boîte. Avec les mains corquées, là, déjà. Ah mon dieu, j'ai oublié de redonner l'argile à Lady. Ah non, c'est sous de l'argile que j'ai trouvé par terre. Au pire, ouais, si vraiment j'ai trop de fer, j'irai le revendre. Après, si t'as besoin de beaucoup de fer, c'est peut-être parce que tu fais des murets. Les murets, je crois que j'ai un plan où genre, ils te demandent une pépite de fer à chaque fois, si t'en fais 30. Tout de suite, dans un coup de chair. Ah oui, non. Tac. Vous savez quoi? On va faire ça. On va aller sur des îles. On va aller sur des îles avec les Nook Points. Et on va farmer un peu. De toute façon, j'ai pas autre chose à vous proposer, malheureusement. Et comme ces 2-3 derniers jours, je l'ai surtout sur les îles de nuit, peut-être que ça nous... Ça serait cool. Par contre, ça serait cool, c'est que tu puisses acheter tes Nook Points à l'aéroport, en vrai. Parce que à chaque fois, c'est un peu chiant de repartir dans la tente, là. Ouais, 5 jours d'affilée, 200 miles, bonus. Je veux un Nook Point. Faudra qu'on joue ensemble, Zotsu. J'inviterai aussi Hibou et tout, on jouera tous ensemble. On ira faire des balades sur la claire de lune. Ah, mais après, ma ville, elle est pas encore belle. Hein. Y a des gens, ils ont déjà de quoi faire des chemins et tout, c'est trop bien. Et moi, on a l'impression que c'est la campagne. C'est la cambrousse. Ah, un mur de briques. Je vais prendre les coques personnalisables. Mon dieu, mais des Alucards, tu n'auras plus de quoi avoir des tickets pour l'aéroport. C'est pas grave. Chez nous aussi, c'est la cambrousse. Malheureusement. Le Nook Chopping. Est-ce qu'il y a des biens? Tu veux acheter une poubelle? Ça irait bien pour aller à côté de chez toi, du coup. Tu pourrais ranger ta bravin. Pas te faire foutre. Oh, une petite tondeuse à gazon. Bah, moi, j'achète ça. Hein? Tu peux pas passer commande tant que l'accès de l'aéroport est ouvert. Ah, merde. Oh! Corona, un masque chirurgical pour le coronavirus. Bah, il faut acheter ça. D'accord, donc quand l'aéroport est ouvert, tu ne peux pas acheter de choses. D'accord. C'est pas les coques, mais les t-shirts personnalisables. Ah bon? C'était marqué coque personnalisable. Bon, c'est pas grave. Hein. Bah du coup, je vais fermer l'aéroport. Je vais aller acheter mon masque afin de rester chez moi, confiné.
Fermez les aéroports! Un Chinois est venu chez nous! Oui! C'est pas l'école, mais une t-shirt personnelle. Et Kirina qui est ici, présente avec nous. Oh là là! N'écoute pas au-dessous. Eh bien, je vais faire exactement ce que tu me préconises et faire comme d'habitude, ne pas l'écouter alors. J'ai. La seule fois où je lui accordais l'importance de l'écouter, il se trompe. C'est bien coq pour ton nookphone. Rien dit des autres. Ah, et moi on me balance des mauvaises infos. Après on va dire que je joue mal. Ça, je vais vous faire. Après on ira au musée. On verra si. Si vous avez chopé autant que. Bah, de toute façon, j'ai la bébétopédie, je suis bête. Je suis bébête. On va voir si vous avez autant que. Si vous avez autant que moi. Enfin, nous. Parce que la bébéto. Ouais, la bébétopédie n'est pas partagée, mais. C'est pas grave. Parce que. On a à peu près la même chose avec Lady. Je dois avoir une bestiole ou deux, trois poissons en plus, peut-être quand même. Nous, on a la périte de la. En même temps, comment direz-vous toute la nuit exprès, alors C'est pas vrai. Je suis sur Total War et au game. Je suis en télétravail. C'est pour ça que quand je me lève. Ah, le télétravail, ça a l'air tellement bien. La menthe orchidée. Bon, la menthe orchidée, chez nous, c'est commun. On en a plein. La bénène, la guêpe. Ça fait longtemps que je suis pas tombé sur un nid guêpe. Hein. En général, vous voyez jamais mon personnage sans qu'il ait le visage boursouflé, tellement je me la prends dans la figure. La coccinelle, le cacatranthus, catacanthus, putain, c'est. La punaise, le capricorne des agrumes. La psyché. Bernard l'ermite, l'escargot. Bon, ça, l'escargot, faut qu'il pleut. Alors, si vous avez pas eu de bol et qu'il pleut pas chez vous. Luigi, cloporte, araignée, tarentule. Bon. Poisson, je suis un peu plus fier parce que. Bah, il me manque le crapé. Ouais, on n'a pas l'escargot. Bah, tu mets. Bah oui, faut qu'il pleut. Donc, si tant qu'il pleut pas, bah, t'es busy. On a une mouche, nous. Oh, lol. C'est la mouche de Tsetse ? Bah, vous l'avez chopée où ? Faut que je traîne près du dépotoir de Lady Alucard, j'en trouverai peut-être. Mais t'es qu'un sacré connard. Mais tu ranges pas ton brin-brin. Bah j'ai pas de maison moi. Bah oui, mais ça fait 500 ans que je te dis, mais prends ta maison. Nya. Je veux bouger ma tante. Je suis pas sûr qu'on puisse bouger les maisons. Ça me paraît plus logique qu'on puisse bouger une tente, mais pas une maison moi, tu m'excuseras. Dans la vraie vie c'est comme ça. Hein. Je te bouge une maison moi, dans la vraie vie. Ah ouais. Bah ouais. Surtout le saumon maosu, l'omble et la truite dorée. Par contre, apparemment, on peut choper le daikyu et le daikyu, et j'y arrive pas. Les esturgeons, bon, ça va, j'en ai eu quand même pas mal. C'est un poisson rare, mais au final, tu le chopes assez facilement, je trouve. Ma plus grosse prise, je trouve que c'est le poisson ruban pour l'instant. Parce que clairement j'en ai chopé qu'un, c'était en pleine nuit, c'était sur une île. Parce qu'il faut savoir que sur les îles tu chopes des choses un peu plus rares apparemment. T'as plus de chances de choper des trucs rares. Allez, allons sur une île et on verra. Botte pêchée, tu la laisses dehors et elle apparaît. Ah. Étant donné que je suis le champion pour pêcher des bottes. Parce que moi j'ai une poubelle, hein, pourtant je lui ai même mis des choses dedans et elle n'est pas apparue. Hein. Alors je tiens à dire que si tu utilises une poubelle, ce qui est dedans c'est vraiment jeté, hein, tu peux pas le récupérer. Hein. C'est pas un espace de rangement. J'en ai eu au moins 3-4 des poissons rubans. D'accord Kirina, merci de m'avoir bien dégoûté, je désinstalle le jeu. Ah c'est vrai qu'on peut aller sur l'île de Joe. J'y suis pas encore allé. En route, mauvaise troupe. Bah moi, clairement, j'en ai eu qu'un.
Ou alors je pêche pas au bon endroit, ni à la bonne heure, ni ceci, ni cela, quoi. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des pommes. Ouais. Bah, j'ai l'impression qu'on chopera jamais les fruits de l'hémisphère sud, en fait. Enfin, quoique, t'as que... Ma soeur, elle a des cerises et des pommes. Ouais, elle a pareil que nous, alors qu'elle est hémisphère sud, donc c'est débile ce que je dis. Elle a eu l'inverse de nous. Nous, on a eu des cerises de base sur l'île et on a eu des pommes par notre mère. Elle avait des pommes de base sur son île et elle a eu des cerises par sa mère. On va récupérer tout cela. Peut-être qu'on aura une pépite d'or. Pépite d'or pour l'instant, ça va. Enfin, j'en ai deux, mais vu que je vois pas à quoi elles me servent pour l'instant, bah... Je prendrai sûrement les pommes aussi. Je vais juste faire le tour des cailloux. Non, pas que des pierres, s'il te plaît. Voilà, je préfère ça. J'ai eu des poires par ma mère. Ah bah cool. Toi, si tu peux nous donner des poires... Genre, je serais assez content. Mamie, elle veut prendre ça, ouais. Faut que je lui donne quand on va faire le truc. Ok. J'ai l'impression qu'il peut pas y avoir de guêpes sur les palmiers. On a des pommes, des cerises, là on aurait des poires. Hibou, il avait quoi? Des poires. Ah merde. C'est quoi le dernier du coup? Bah, je sais pas. Des oranges, non? Un truc comme ça? Bah, je sais pas si on fruit. Je crois que c'est ça. Kirina les a bouffés a priori. Est-ce qu'on peut planter le fruit? Bah oui. Tu prends. Tu prends une pelle et puis. Tu mets le fruit dedans. Faut la pelle hein, pour planter le fruit hein, par contre. Mais si c'est le fruit de votre île, vous pouvez l'acheter à la boutique Mélimélo. Donc vous pouvez, quand vous voulez, vous pouvez replanter des arbres de votre... des arbres, des fruits de votre île d'origine. Ah oui, non! C'était votre mère qui les avait envoyés. Bah, d'après ce que je vois, quand tu vas sur les îles mystères, tu peux choper des fruits... les fruits que ta mère t'a envoyés et tes fruits d'origine, quoi. Quoi? Et là, en fait, j'ai réussi à faire toutes mes courses. Ouais. Et le drive, il n'est pas disponible avant jeudi 2 avril. C'est-à-dire jeudi prochain. Ah. Donc, en fait, depuis tout à l'heure, t'es content pour rien. Malade, les gens. J'aurais rien sur cette île, quoi. À moins que ça me donne une petite pépite de d'or. Non. Mais ça pue la merde. En plus, comme c'est pas la nuit, j'ai quasiment aucune chance de choper des tarentules. Donc en fait, bah, je me fais avoir, quoi. Ah oui, c'est vrai. Bon, après, comme il y a des pommes... Et même pas de guêpes. Rien. Allez, une pépite, une pépite, une pépite, une pépite, une pépite, une pépite.
J'ai pas de craft avec, hein, mais le fait que ce soit de l'or, ça m'intéresse. Eh ben non. Par contre, moi, j'arrive pas à faire apparaître 8 objets en tapant dans le caillou. Clairement, j'arrive à 7, mais 8, même en bloquant entre le caillou et un arbre ou un truc comme ça. Et donc, du coup, bah, je peux pas bouger, donc je peux que taper en appuyant sur A. Bah, j'arrive jamais à 8, moi. Peut-être que ce poisson est ultra rare. Il habite après tout dans une cascade. Super, une bouvière. Incroyable. Ouais, bah j'ai pas de chance. J'ai pas chopé les meilleurs. Donc demain, je vais aller faire les courses. Mais je vais devoir rentrer dans le magasin parce qu'il n'y a pas possibilité autrement. Parce que bah, soit je vais à Leclerc, mais pareil, j'ai pas les courses avant lundi. Les aventures de Lydia Lucard. Et en plus, y'a plus rien. Soit je vais à Carrefour, j'ai tout. Mais c'est pas avant jeudi prochain. Donc tu vas te battre demain à Leclerc? À Carrefour. À Carrefour. À pied, tu vois, c'est le plus proche. Us! Allez, un Daikyu. C'est pas un Daikyu, c'est pas... Eh bah pas du tout. C'est une vandoise, donc c'est nul. Ça se revend même pas cher. Non, mais je l'ai même pas encore validé en fait. Sur le coup, en fait, j'ai fait deux paniers pour savoir un peu trop pour combien t'en aurais. Là j'étais en mode il faut que j'entende, vu que je vois pas, faut que j'entende avec le son. Mais en fait non. J'ai rien sur mon île. J'ai dépensé 2000 pour rien quoi. Il y en a, ils ont des îlots de tarentules et tout. Bon, je sais que c'est la nuit du coup ça, mais... Merde. Ah, attendez, une grosse ombre à un estuaire là. C'est peut-être un esturgeon. Oh non! Les portels. Mais j'entends rien aussi. Il y a trop de bruit ambiant. Parce que moi, je préfère réagir au son. Voilà. Super, une limande. Oh bordel quoi. Que de la merde. Que de la merde. Bon attendez, les arbres ils me gênent là, ça me saoule. Ça dégage. Ah, j'ai fait une quête. Ah, il faut que je ramasse du bois en plus. Et que je vende des coquillages. Bon, bah écoutez, je vais au moins faire ces quêtes-là. Je vais ramasser les coquillages de l'île. Et puis tant pis, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Vous voyez bien que il n'y a pas de bol. Une branche de corail. Après moi j'ai de la chance, j'ai un petit peu de chance dans les meubles quand même. Je veux dire ça va, je chope des jolis meubles. Ils sont beaux mes meubles. Des coquillages. Non. Et même les coquillages, y'en a pas ici. Vous êtes sérieux?
Oh là là, bon allez, on s'en va. Ça y est, je suis énervé maintenant. Allez, on s'en va. C'est un scandale, monsieur. Il n'y a rien sur cette île. Scandale. Il y a des pommes. Génial. Si tu veux qu'on fasse avec des pommes. Une tarte tatin. Bon. On va quand même revendre les pommes. Parce que si j'ai bien compris le délire du jeu, quand tu vends des fruits qui ne sont pas de ton île, tu chopes quand même pas mal. On va voir comment, combien on gagne pour un stack de pommes. Tiens, des pommes. 5000 clochettes. Bah, pff, c'est raisonnable, mais c'est pas v'là ouf en vrai. Bon bah 27000 clochettes quoi. L'excédent en sac de clochettes. Ah, tu peux pas dépenser les 100 000. Ah. On peut pas dépenser les 100 000. Après, ça se met dans ta poche. Je savais même pas ça. Utiliser le DAC. On va rembourser le prêt avec l'épargne. Voilà. J'ai plus qu'à payer ça. Ok. Ça va. Oh, ça. Bah c'est pas. Ah ça y est, je peux acheter des choses. Je vais acheter ma tondeuse à gazon. Et oui. Et surtout, le masque. Ah putain, c'est commandé, du coup ça sera demain. Mais je risque la mort entre temps. J'ai combien de nuke points? 1000. Alors, kit de coque par 1, de toute façon ça arrive demain. Ok. Tu peux pas garder pour avoir 2000 et t'avoir un ticket de. Bah si, mais là faut que je fasse des quêtes. Et oui. On aurait pu jouer à deux aujourd'hui. Bah vas-y. Par exemple, les enfants ils se lèvent pas sur un zoo pour l'instant, c'est pour qu'on fonde. Tu fais comment? Non. Bah il faut. Bah oui, tu peux. Alors attends. Bah, il est où le. Passeport, non? Ah, j'ai une nouvelle appli, ok. Peu plein d'habitants. Ça a légèrement décalé mes trucs, alors j'étais en mode nani. Ah, vous avez besoin de deux manettes. Pour les manettes Joy-Con, vous pouvez les utiliser séparément. Ouais. Et là, elle est en mode comment on a la manette. Vas-y, donne. Alucard, appuie sur LR. Oui. À toi maintenant.
Et derrière, c'est ceux de devant, ouais. Voilà. Je suis trop belle. Jeu en groupe, les joueurs résidentiels peuvent jouer ensemble grâce à ce mode. Un joueur a le rôle de leader, ouais, les autres sont ses acolytes. Les leaders et les acolytes ne peuvent pas faire les mêmes choses, mais il est facile de changer les rôles. Oui, il suffit d'appuyer sur un bouton. Ce que peut faire le leader peut jouer à peu près de la même manière qu'en mode solo. Ouais. Alors, il faut agiter doucement la manette de celui-ci ou en sélectionnant l'option changer de leader dans l'appli appelé un habitant. Ce que peuvent faire les acolytes. Les acolytes n'ont pas accès au chat, au Nook Phone. Bon, le chat, on s'en fout. Le Nook Phone, ok. Au contenu des poches. Ils peuvent utiliser leurs outils, déplacer des objets et aider le leader. Et tous les objets récupérés par les acolytes sont renvoyés dans la boîte de recyclage du bureau des résidents. D'accord. Bon, là, c'est exactement la même chose, hein. Oui, joie, bonheur. Tu sais le faire, ça, d'ailleurs? Oui, mais je sais plus comment on fait. C'est ça. Tu restes appuyé, et du coup, après, tu peux... Sur les boutons arrière? L'arrière, ouais. C'est ouais. À deux, vous restez bloqué sur votre île. Bah, de toute façon, j'ai pas mes... J'ai pas mes quêtes. Ah, oh, bah. Faut qu'on aille ramasser des coquillages. Oh ouais, j'aime bien. Eh bien, on va ramasser des coquillages. Bah vas-y. Ouais, les coquillages. Voilà. Mais du coup... Ça va dans la boîte là-bas. Ah, je vais quand même en ramasser un, comme ça au moins je suis sûr qu'on l'a. Parce que là, je sais pas si en gros, il faut après aller à la boîte. Il faut aller à la boîte et chercher. Ah. D'accord. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire coucou? Oui, ouais, bravo, Caravaquien, coquillage. Mais du coup, si t'as pas les outils sur toi, ça fait comment? Ouais, mais. Genre. À mon avis, de base, t'as tout. Si ta canne à pêche, elle casse, tu fais comment? À mon avis, ça va pas casser. Non, tu viens pas! C'est pouf! À mon avis, il a peut-être moins de chance de casser. Oh, il y a un cadeau là-bas! L'artillerie, quoi. Il y a un cadeau là-bas! Ouais, mais. Il n'en y va pas. Mais si, regarde, il va arriver. Il n'en y va pas. Regarde, il va m'arriver! Je te laisse. Ah merde! Voilà, tiens, bien fait. Pim! Regarde, il est là le cadeau! Viens choper le cadeau. Viens chercher le cadeau. T'as pas le lance-pierre? Bah si, mais moi, si je le ramasse, il va aller dans le coffre. Attention! Vas-y! Feu! Bravo! Je joue avec une game. Je t'emmerde. C'est pire que moi. Non. Jamais. En plus, c'est de la merde. Génial. Je suis contente de te l'avoir laissé, tu vois. Parce que c'est de la merde. Ah bah ouais, parce que ça aurait été un truc bien, tu vois. Ouais, t'aurais essayé de me le taxer, quoi. Bah carrément. T'es genre, c'est la taxe pour que je t'aide à ramasser des coquillages. Genre... Allez, viens, on va sécher des coquillages. Ouais. Vas-y, essaye de pêcher pour voir. Attends. Vas-y, le premier qui arrive à l'attraper. Mais attends. Ah, c'est bon. Eh. Bah, du coup, il va aller sur lui. Connasse. Non! J'applaudis. Je pensais que ça aurait été pour toi. J'aime bien, c'était le. Mais elle est déjà mauvaise. Elle était déjà mauvaise. Comme d'habitude. Sauf qu'à chaque fois qu'elle est mauvaise, ça se retourne contre elle parce que c'est quand même. C'est quand même elle, quoi. Ah bah. Ah, mignon, ça va pas. Oh. Je suis fatigué. On se demande bien pourquoi. Là. Oh, Escarus. Sérieux? Ouais. Non mais viens.
pas bougé. Excusez-moi, j'ai pas vu que tu avais capturé ton poisson. Mais si, j'ai chopé le scarabée. Ah, encore un poisson. T'as tué. Oh, décidément. Et une cuillane. Alors, ce qui est chiant par contre, c'est que tu vois, s'il n'y a pas deux poissons côte à côte, bah du coup, c'est chiant. Moi, il n'y a jamais de poisson ici. Hein. Bah, faut que tu mettes un petit peu de. C'est vrai qu'on pourrait utiliser les appâts. Ah, encore un poisson. C'est pour moi cette fois. Ça va être un bar. C'est nul. Un bar commun. Attention au baratin. Le nombre de fois où ils le font, ça c'est abusé. Oh, le vent vient de me prendre, quoi. Surtout dans les étangs. Ils te le font pas, toi, dans les étangs? Non, mais dans les étangs, c'est des connards. Quand c'est pas ça, c'est une godasse. Je garde espoir. Il va passer à côté. Je garde espoir. Il va passer à côté. Garde! Garde ce connard. Je ne vois pas ton hameçon. Connard de poisson. On a l'air bien con, moi je te le dis. Tu plus loin la ligne. T'inquiète. Regarde, il avance. Tu vas rater. Ouais. Tout ça pour un bar en plus, quoi. Génial. Il va trop dans les bars. Ok, d'accord. Ah, un poisson! Faut que je te dise, Lady. L'humour, faut laisser ça aux professionnels. Ah bah bravo! Je me suis loupé. Sabotage! C'était du sabotage. Mais du coup, l'échelle, tu l'as pas? Mais si, je l'ai. Attends. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc il voulait faire le malin avec les sambas en faisant ah, coucou. Tu peux pas venir. C'est vrai qu'on a pas. J'ai pas fouillé les arbres ici. Ah tu veux repasser les arbres? Bah ouais, tant qu'à faire. Attends, il faut une main. Ah bah ben, bravo. Bah ben, GG. J'ai décidé que mon personnage ne serait pas boursouflé aujourd'hui. Bon, je sais pas, je prends. Hein. En fouille, ça va dans le coffre. Oui, ça va dans le coffre. Je voulais une hache, mais par contre, la hache, bizarrement, dans le coffre. Non, c'est un des. C'est un outil que. Faut dire, la hache, faut que je te mette en meilleur ami pour que tu aies le droit d'aller faire la hache. Parce que j'imagine que ça te donne la hache qui peut vraiment couper les arbres. Et du coup, bah. Fait de toi un être dangereux. Bah, mais t'as saboté encore. J'ai juste secoué l'arbre, je l'avais pas vu. Et il faut regarder où est-ce qu'on secoue. Moi je vérifie toujours avant de secouer. Et oui. Tiens, tu as disparu dans les méandres. Attends, je cherche après la perche parce que. Non. Alors, en haut ou la perche? Il va bouger la perche en haut, mais la perche. Ah! T'es dans le cœur? Si. J'espère que ça, je serai récompensé. Dans la vraie vie. Même ton argent, hop, t'en as, si c'est à moi. C'est pas à toi, c'est pas dans le coffre. Et alors? Moi, tout ce qui est dans le coffre, il est à moi? Non. D'accord, je te donne les branches.
Bah ça va, non? T'as pas travaillé pour rien. Tu rigoles, là? Ah! Une allumeur! Tu deviens trop fort, des allumeurs. Comment ça, je deviens? J'ai toujours été. Ça te réussit d'avoir été attaqué plusieurs fois. Ouais, bah maintenant, ouais, je suis un peu vénère sur les gabins. Tu ramasses plus beau, toi. Oh, j'ai trop de branches et puis je te l'ai dit que je te le laissais. Ça te fait plaisir de ramasser des branches. Tu feras un feu de camp. Ah, ça pour faire des filets et tout. Ouais, mais j'en ai trop. Ah, il y a non plus une pinaise. Pinaise. Ça me fatigue ce truc. Quoi? Ouais, à chaque fois qu'elle trouve un truc. Hey, t'as vu, j'ai trouvé 1€ par terre! Elle peut pas en 10 minutes. T'as le temps de ramasser 3 trucs. Tu veux, tu veux, tu veux, tu veux. Alors, on va peut-être monter là-bas. On n'y a pas déjà été? Non, là-bas, on n'y a pas été. Ah bon? On a fait le bas, mais on n'a pas fait le haut. Par contre, c'est chiant que t'aies pas ton menu. Mais de base, tu l'as le menu déroulant comme ça, là? Non. Bravo. Alors, pourquoi tu veux pas monter ta place? Parce que tu étais mal mis. Une branche. On n'a pas quoi. D'aujourd'hui, tu les as ramassés, les meubles? Les meubles? Donc, dans les arbres. T'as 2 meubles par jour dans les arbres. Oh non. Secoue, parce que... Oh oui. Vas-y, montre-nous ton talent. Ah d'accord. Les gens disent qu'ils veulent être remboursés du ticket. Hein. Du ticket. Bah leur ticket d'entrée pour regarder le stream. D'accord. Pourquoi? Parce que tu leur fournis pas le spectacle nécessaire. Mais c'est pas moi le streameuse professionnel. Un carassin! C'est trop bien. Je suis meilleure streameuse. Et toi, tu viens de faire partir aussi une menthe religieuse, hein? Bah, une menthe religieuse, c'est nul, c'est les menthes orquées qui sont bien. Oh, il est psyché. Par contre, moi, quand je l'ai, voilà, tout le monde. Ah! Oh, mais tu fous ta merde, hein! J'avais pas le filet en plus. Ouais, ouais, mais voilà là. Et les distances de sécurité. Mais 1 mètre. Mais non, mais pas celle-là. Les mesures si tu préfères. Oh là 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 là. On a failli mourir de ta faute. Par contre, arrête de me copier. Il n'y a pas d'effet de secours, ça. Si, je crois, mais... Je sais plus, moi. C'est là-bas hein, qu'on n'a pas secoué encore. Voilà, ça ira plus vite. Mais c'est pas ma faute, monsieur. Bah non, mais t'as pas le menu, alors effectivement... Hein. Du coup, je sais pas si on prend les cerises ou pas. Je sais pas. Bah. Ouais, ça fait toujours ça de plus dans la. De fric. Le fric? C'est chic. Fricain! Bien joué, on a l'air encore plus de Mongols! Acolyte! Bah après ça reste quand même sympa de pouvoir jouer comme ça à deux, parce qu'en vrai avant tu pouvais pas et bon bah voilà quoi, c'est pas...
coq des résidents, il va vite être plein, mon chéri. Le quoi? Le coq des résidents, il va vite être plein. Peut-être infini, hein. Ah, t'as pas été, t'as pas été ramassé ce que je t'ai laissé en haut. Ah, celui-là j'ai oublié. Bah du coup, bah ça sera à moi. Vas-y. Parce que j'ai vendu du fer. Du coup, je n'ai plus autant de stacks qu'avant. C'est un scandale. Bien. Après je vais plus vite, si c'est bon choper des arbres où il n'y a rien. Tu vois, regarde, hop, là il y a un meuble. Un présentoir à bijoux. Oh oui hein. C'est tout à fait pour toi. C'est, ouais, c'est tout à fait mon genre. Oh, je vais pouvoir être trop bonasse. Il n'y a pas de coquillage. Aïe, putain, t'as la tête, t'as la tête dure, hein. Sérieux? Bah ouais. Ah ouais? Bah ouais, t'as fait pas non. Ouais, c'est pas moi. Mais t'as des preuves de ce que tu avances? Un poisson lanterne. Sérieux? Moi je veux faire du saut à la perche dans l'océan. Comment faire chier? Vas-y, pêche ton poisson là. Non mais en fait c'est comme ça que tu m'as fait. Donc c'est toi qui me fais. Et ça, hein, fait le deuxième poisson que tu me fais barrer, hein. Bah non, j'ai rien fait là. Bah si, comme tu fais rentrer dans le menu, bah du coup le poisson il se barre. Non. Bah si. Non, c'est toi qui as... Ta canne à pêche, tu l'as fait remonter. Comme le poisson il a vu l'hameçon, quand tu fais remonter l'hameçon trop tôt, il se barre. Bah oui. Mais sauf que ma canne à pêche, elle est remontée parce que... Là, t'es allé dans lance le menu. Ta canne à pêche. Vas-y, va dans le menu. Bon, d'accord. Va te faire foutre. Attends, voilà. Y a des poux. Attends, ça, je les ai pas. Ah, bah vas-y. Tiens, on va voir si ça compte. Bah, on va voir si ça compte. On verra si ça compte du coup. Ben ouais. Bénitier géant. Si, en vrai, c'est quand même plus sympa de parcourir oui, à deux. C'est sympa à deux, hein, mais franchement, quand il y en a qui te font ramener ta canne à pêche et puis qu'en plus, ils disent que c'est pas eux, hein, ça. Je ne vois pas. On en retard. Je vois pas de quoi tu parles. Pourquoi tu t'énerves pour ça? Moi qui fais remonter la canne à pêche, c'est de la remonter. Le prochain Nick Gap, je te sauve pas, moi, je m'en fous. Tu te démerdes. Ah, tu les as pas les guêpes de toute façon. Donc en vrai, c'est toi qui devrais essayer de les choper. Ouais, enfin, je pense que je vais pas piquer. Bah, attends, tu feras un remède. Mon visage il est trop beau pour être piqué. Mon visage est trop beau pour être piqué. Ça va la modestie? Là, on a chopé qu'un meuble par contre. Ça veut dire que quelque part, bah, tu me diras, on a pas fait tous les arbres encore. Ouais, mais ça reste sympa. Tu dis qu'elle met du temps, mais en fait, regarde. Quand je ramasse quelque chose, tu vas plus vite. Ah oui, c'est vrai, on a là-haut. Allez, chercher. Il y a des arbres et tout. Mais tu vois, là, il y a un petit étang, tu vois. Et genre, déjà, c'est chiant parce que c'est dur à atteindre. Mais en vrai, il n'y a jamais de poissons dans nos étangs. Parce que là, on est arrivé, on n'a pas fait de bruit, on a juste ramassé, tu vois. J'ai pas couru ni rien. Et bah non. Ah bah voilà. Alors c'est quoi? Nya. Mais on sait pas ce que c'est du coup. Mais putain. Vas-y, je la relâche. Non. C'est le mec qui relâche l'abeille, tiens, avec le franchol, enfin la guêpe. Mange dans ton cul là. Alors là, je prends la taxe. Je prends la salade, c'est la taxe. Mais
C'est dégueulasse. Mais quel connard. C'est trop marrant de jouer à deux en fait. Pour couillir seul. Mais quel connard. J'en ai marre. Pourquoi est-ce que j'ai fait encore? Tu es dans mes points. Bah si j'ai pas envie d'y aller, t'y vas pas en fait. C'est ça que tu comprends pas. Mais vas-y, attends. Tu vas passer leader. Comment qu'on fait? Donc, appeler un habitant. Changer de leader. Ah ouais, en fait, le problème c'est que comme moi, ma manette elle avait pas reconnaissance, elle avait pas de gyroscope. En fait, je dois faire changer de leader. Si, fais changer. Et du coup, c'est toi qu'on suit. Voilà, et c'est moi, l'acolyte. L'acolyte. Ben, ça a pas fonctionné pour les Lydie. Sérieux? C'est nul. Bah, c'est pas grave, viens, on va essayer d'en capturer. Ah, si. Si, ça a fonctionné. Ah, bah, nice. Bah, du coup, c'est con. Ouais, j'arrive. Attends, je prends ma perche. Voilà. T'es bloqué. Ah, merde. Ah, bah oui, non, on n'a pas fait ceux de la ville. Ah, tu n'as pas accès au menu déroulant. Ah, moi, non. J'ai pas accès. Toi, non, mais moi, oui. Ah, tu changes avec X les... Ok. Bah tu utilises pas les touches multidirectionnelles là. Est-ce que je peux parler avec les gens? Non, par contre je peux les tabasser à mort. Alors boulache là, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Je te kebab moi, je te kebab. Tiens, je mets une branche dans ton coffre. Waouh, merci. Franchement, t'es trop gentil. Un mec qui s'est fait vaporiser quand il a attaqué sa planète principale. Lol. Ah, faut avouer que quand t'es acolyte, au moins je peux lire. Bah, moi je peux pas tuer. Ah, toi t'es obligé de rester dehors. Voilà, bah, je pense. J'ai pas essayé de rentrer, mais. Ah, si, je peux venir. Eh, pas de touche. Pas de touche là. Oh, tu fais quoi là? Pardon? Tu fais quoi? Mais laisse-moi récupérer des sous! Tu fais quoi là? Mais laisse-moi récupérer des sous! Bah, t'as fait quoi pour gagner cet argent? Bah, j'ai travaillé! T'as travaillé? J'ai travaillé dur! T'as ramené des guêpes! Mais j'ai fait comme toi, j'ai secoué les arbres! Ouais. Ça va, c'est 400 pièces, tu vas pas mourir. Non, c'est pas. J'ai pas encore eu mon... C'est une balance de cuisine en plus. Donc ça ne te sert pas, tu sais pas cuisiner. Pardon. C'est pas parce que je cuisine moins souvent que quand je cuisine c'est un massacre, que c'est pas bon. D'accord. Parce que moi, chaque fois que j'ai cuisiné, les gens ils ont dit que c'était bon. Voilà. Bah sors, tu cuisineras, tiens. Mais tu feras pas des potes avec un steak à tout. Je peux pas ce soir, je stream. Après j'ai 2 heures de flottement. Donc voilà. Et puis après je vais sur Doom. Moi je dis ça, je dis rien, mais il trouve toujours une excuse qu'il peut jamais stream, qu'il peut jamais faire la cuisine. Il y a toujours quelque chose de prévu. Oh ! La taxe là ! C'est un scandale. Bah, c'est un scandale. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Tu parles de qui pour la nourriture? Bah, moi, quand je fais quelque chose à manger, je fous du bordel et je cuisine pas de manière orthodoxe, mais c'est bon. Voilà. Qu'est-ce que t'as là-bas, là? La dernière fois, ils se sont plaints parce qu'il y avait des loups dans mes haricots, ils étaient bons. Ça m'énerve les gens comme ça. Et moi, faut voir que je peux rentrer. Non.
Non, je peux capturer la tente, quoi, cette fois. Moi, je peux pas faire de course, alors, hein. Et devine où je suis caché, tu me trouveras. Ah bah, t'as tout trouvé. Mais il est nul, ton poney, là. Il est nul, on peut même pas en faire. Mais elle m'a dit de le mettre dans la ville. Moi, je l'ai mis dans la ville, hein. Bah, heureusement qu'on t'a pas demandé de mettre un caca dans la ville, hein, parce que... Je l'aurais fait. Mais... Truffa, dis quelque chose. Bah non, je peux pas lui parler. Tiens, mange le lard. Tiens, j'ai envie de manger un burger. Bon, laisse tomber, y'a plus rien, y'a même plus de pain hamburger. Alors, même dans tous les drives. Bah, les gens, ils ont décidé tous de faire des hamburgers. Et si on mangeait hamburger, mais sans le pain hamburger? Mais tu vas manger quoi? Un steak, quoi, lol. T'as pas assez de tampons pour ta défense, Yorson. Genre t'as 10 artilleries à ions, 10 canons gosses. Et à côté, 36 lance-missiles. Et 15 artilleries laser léger, c'est nul. Il faut au moins que t'en aies 500, 600. Bah, si tu veux faire tes courses là, laisse-moi reprendre la main. Je fais pas mes courses, je marque juste un message. Voilà, c'est bon. Le malheureux, il attend une réponse depuis une heure. Qui? Zozo. Je vais juste pas répondre. Par contre, moi j'ai une femme et des gosses à nourrir, donc j'aimerais bien avoir l'argent. Bah ouais, parce que j'ai encore 160 000 de mon prêt à rembourser, moi. Oui, mais... J'ai pas de maison, moi. Nya. On s'en fout, c'est dans le coffre. Ça va pas commencer à... M'énerve, là. En fait, non, c'est nul de jouer à deux. Tu m'énerves. Vas-y, moi, j'ai des cerises, quoi. Qu'est-ce que t'as eu, toi, des queues de cerises? Mais il faut que je sois... Eh, hey, je suis chanceux, hein. Il y avait la cerise au bout de la queue. Hein. Super. Waouh. Sa mère, quoi. On fout. Quand on ira pêcher, je ferai fuir tous les poissons. On les a déjà foufou. Par contre, vers le bas, je suis pas sûr qu'on les ait fouillés, en vrai. Bah ouais, parce que regarde, il y a des cerises. Mais c'est pionnier. Essaye d'attraper. Ben voilà. Ah bah j'ai... Merci. J'ai... Merci, quoi, bah j'ai essayé, hein, j'ai même tapé l'arbre. C'est le karma, hein, moi j'y peux rien si... Ben voilà, je suis trop défiguré maintenant. C'est plus réaliste. Tu as ta valise dans la porte. Oh non. Il faut rester chez moi. Il faut rester chez nous. Tu retournes chez ta mère. Nana. C'est plus chez nous, c'est chez moi. Nana, il y a le con. C'est le confinement. Bah, est-ce que t'es d'accord avec moi, kebab? Il m'a dit oui. T'as vu, gars, il a baissé la tête. Il a dit oui. Ah, c'est toi. C'est... Elle va dire que c'est moi. C'est. Tu ramasses quoi, là? Je range ta merde dans le Dégage. Va-t'en, loin. Mais je peux pas, regarde, si je vais loin, pouf, je réparais. Je suis ton pire cauchemar. Dégage, fenêtre. Comme ça, je dormirais bien. T'as le divorce. Oh, t'es au SMIC, tu peux c'est pas. Terminé. Tu peux pas divorcer, t'es au SMIC. Tu m'en fous, toi, t'as rien du tout. T'as pas d'argent, c'est encore pire pour toi. Ah ouais, mais moi, je suis bientôt un chef d'entreprise. C'est ça que t'as pas l'air de comprendre, en fait. D'accord.
ça te faire à la grosse chienne. Tu vas te faire foutre, c'est mes affaires. D'accord. Oh là là là. Déjà, faudrait qu'il dorme la nuit, oui. Parce que. Mais ce que vous n'avez pas l'air de comprendre, c'est que si je dors pas la nuit, c'est parce que je dois m'occuper du gamin. Parce que si je m'en occupe pas pendant ne serait-ce qu'une journée. Oh, je suis fatigué. Oh, et Anzo, il a pleuré, Anzo. Oh, puis quand c'est moi qui me plains parce qu'il pleure, parce que j'ai mal à la tête, parce que j'ai pas dormi. Ah ben, c'est un gamin, il communique. Il peut pas parler, alors il pleure. Bah merci connasse quoi. Tu me fais passer pour une horrible mégère alors que c'est toi le gros salopard dans l'histoire. Pardon. Tu me fais passer pour un énorme salopard alors que c'est toi la grosse mégère dans l'histoire. Ah gars, je peux dire la même chose hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Le divorce, c'est le divorce. Ah parce que en plus, tu revends là. Bah oui, j'ai plus de place. Scandale. Ça n'arriverait pas si t'avais une maison. Va te faire enculer ta maison. Ça fait beaucoup, voilà. Ça fait beaucoup à mettre dans le cul. Hein. Je suis pas Eric Cartman, je peux pas mettre le Space Mountain. Hein. Hop. Pendant que c'est la. C'est le divorce? Oui. Mais non, c'est pas le divorce. C'est le divorce. Mais c'est pas le divorce. Si, c'est le divorce. Oh là 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 là, il lui en faut peu, hein. C'est le divorce, c'est terminé. C'est fini entre nous. Mais non. Si. Mais non. Si. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si, c'est terminé. Je m'occupe des gosses. C'est vrai. Oh, c'est pas si mal. Tu peux tout le temps, tu vois. Tu peux mettre tout le parc. Quel fils de pute. Ok, Zotsu. Bah, je vois que ton talent n'a d'égal que la saloperie que tu es. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que je pouvais pas mettre le Space Mountain dans mon cul, je peux mettre tout le parc. De toute façon, c'est un connard. Mais de toute façon, je suis jamais bien pour personne. Y a jamais personne, moi, qui me dit que je suis gentil, que je suis trop bien, et tout, et tout. Non, moi, c'est des insultes à répétition. De toute façon, je vais me teindre les cheveux en bleu. Hein. C'est ce que j'aurais dit si j'étais un fils de pute. M'en fous, je vole tes tickets, du coup. Bah, tiens, prends-le. En vrai, je peux pas tant que. En fait, quand t'es dans ton menu, je peux pas prendre les trucs. Même par terre, tiens. Qu'est-ce que t'as kebab à Chipsou? Tu vas me faire ça et fi ça avec une petite sauce algérienne. Mais joue avec les croix. Mais moi, je peux pas jouer quand t'es dans ton menu. Mais, de toute façon, bah, moi, je joue plus. Regarde, avec mes crocs, je peux juste faire ça, hein. Eh bah oui, eh ben, tu passes en revue tes outils. Mais t'es chiant. Bah moi, sinon, je veux pas jouer, c'est ce que je faisais. Je cassais pas les boules, moi. Sauf que toi, tu peux choisir... Vas-y, non, bah vas-y, pêche ton poisson. Je m'en fous, je bois mon café. De toute façon, j'ai dit c'était le divorce. D'accord, c'est le divorce. Bah, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, moi, je te le dis. De toute façon, moi, personne ne m'aime. C'est parce que tu veux pas que je prenne des sous et en plus... Et en plus, ça, je suis tout défiguré de ta faute. De ma faute. Et en plus, t'as dit que ça changerait pas de d'habitude dans la vraie vie. C'est quel connard. Ça, c'était une boutade. Ouais, bah la boutade, hein. Une vanne. C'est vachement gentil de dire que sa copine a tout défiguré. Vas-y, je t'aide. Il
foutre ma merde. Je vais foutre ma merde. Je vais foutre ma merde. Avec ton chapeau tyrolien, là. Mais il est trop beau. Nya. Nya. Il a pas l'air embarlé. Bah en fait, aujourd'hui, on va pas essayer de m'appeler alors que j'ai 55% de batterie. En fait, ce qui est chiant là, c'est que faut faire tout le tour de l'île alors que bah en fait comme on n'a pas beaucoup de fleurs par exemple, bah on peut pas choper beaucoup d'insectes. Bah vas-y, t'as de l'argent. Non, Ah voilà. Alors c'est Monsieur Dédalucard qui prend tout, tu vois, mais c'est aussi Monsieur Dédalucard qui investit sur l'île. Donc bon, j'ai envie de te dire. Parce que ce qu'on... Il travaille plus que moi sur l'île, il y est tout le temps. Il y est tout le temps, mais pas du tout. Mais pas du tout. Pas du tout, ma pauvre fille. Pas du tout. Je me suis levé, il y était. On t'aime même si on est méchant. Ouais, mais non, mais moi... Allez, tiens, comme toi, t'es la première joueuse, ça peut casser. Chier. Du coup, il y a plus de canne à pêche. Chier. Comment ça, t'en as encore une? T'as pas les plans pour en faire une belle? Non. Ah si, attends. Mais c'est nul. Tes outils ne sont pas à la hauteur de tes performances. Moi j'aime bien pêcher. Pêcher beaucoup dans Minecraft. Bah je peux même pas lui faire peur au poisson. C'est nul. Elle est bien. Nul. Bon, fou, je l'ai et ça guérit en combien de jours là les piqûres de guerre parce que bon, demain. Demain alors. Et je vais acheter ma maison. Après tu peux faire un remède aussi. Après, ça attendra demain. Demain matin c'est guéri. Oui. C'est moi j'ai plus de filet. Moi j'ai pu prendre ma hache, hein. Donc si tu l'avais pas, c'est parce que t'en as pas. Ah, peut-être. Ce sont des gens, vous êtes méchants avec moi. De toute façon, il a voulu aller à la mairie pour garder pour les dates pour le mariage et c'était fermé. En plus. Parce que c'était aussi de base pour ça qu'on devait y aller à deux, parce que je me suis dit pour plus qu'il faut signer un truc. C'était fermé. Par contre, celui pour les enfants, c'était encore ouvert et le lendemain, c'était fermé. Hein. Deux jours après, le mercredi. On y est allé lundi. Mon fils a au moins la chance d'être pré-inscrit à l'école. Waouh! Il doit être content. Hein. Continue, les gens ils vont devoir courir à l'école en plein été. Bon, nous il y aura juste l'inscription à faire à l'école. Si, attends, repasse-moi, redonne-moi le. Attends, je reviens. Bah oui, mais tu peux le faire dans le magasin. Les yeux. Bah le leader pour que je puisse vendre ce que moi j'ai dans mon inventaire. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, c'est pas grave puisque de toute façon ça va pas dans mon inventaire, ça va dans le coffre. Donc, Tu veux le faire ou pas? Non, ça va. C'est juste que j'étais en mode ouais. J'ai pas tout récupéré, moi, de ce qu'il y avait à moi dans le coffre. Comment ça, t'as pas tout récupéré? C'est... Ah non, le Scarus, tout ça. Au scandale, hein. La République, c'est moi. Moi, je dois aller le faire pour ma maison aussi. Et du coup, là, si je demande à le faire construire là, vous l'aurez demain. Oui. Et tu l'as toujours pas fait? Ben non. Je me dis qu'autant la faire encore en fin d'après-midi. Ça change rien. Bah oui, ça change rien, mais... Autant que tu le fasses tout de suite. Ben non, comme ça j'ai le temps d'économiser. Mais ça sert à rien, tu peux payer quand tu veux. Bah oui, mais là, comme ça, si je veux, je paye ma maison une fois, en fait. Mais ça change rien. Mais T'as fait sauver le poisson. T'es pas un bon pêcheur.
C'est toi, tu me stresses là. Tu peux faire ta maison depuis le départ, ça fait 5 jours que tu pourrais avoir ta maison. Et toi, t'as fait quoi? Oui, non, et moi, il bouge bien, et moi, il bouge bien. Je vais bouger de cet endroit, merde. Et puis après, genre, tu peux... Regardez cet endroit de merde que j'ai eu, parce que... Mais parce ça change que, rien. Alors, parce qu'on m'a rien laissé faire, hein. On m'a laissé la merde. Non, non, ça c'est juste parce que t'es trop débile pour avoir demandé tout simplement, et que les... arbres, eh ben, est-ce qu'ils restent ou pas quand je pose ma tente? Parce que tu pouvais la poser où tu voulais. Voilà. Alors arrête de dire c'est moi. C'est toi là, tu demandes pas. Personne ne t'a forcé à te mettre ici en plus. Je fuis! C'est un scandale, en plus elle est sur son téléphone. Mais non, mais je réponds vite fait. Scandale. Pour rétablir la vérité. Parce que j'ai pas bien marqué les choses. Oh, mais on va avoir des chaussons. Non. Ça vaut cher en fait. Il est loin ton poisson. Bah ouais, mais tout à l'heure il était plus près et en fait il se barre. Je m'en fous, j'ai eu mon papillon. Va faire ta maison là, tu me stresses. Jean-Claude le Clodo à l'entrée de la ville, c'est bon quoi. Jean-Claude le Clodo. Je t'emmerde et pour la tête, je vais récupérer mon poisson lanterne et mon Scarus. Bah, je vais bloquer la sortie, tu pourras jamais sortir. Ainsi que mon Clion. Non. Mais ça vaut cher. Tiens. Je bloque la sortie. C'est parce que là, j'ai pas le temps, je peux pas aller à mon inventaire, sinon j'aurais mis un gilet jaune. M'en fous, tu passeras pas. Tu ne passeras pas. Mais c'est moi qui les ai fouillés, qui les ai pieds. C'est la taxe. C'est la taxe pour jouer en multijoueur avec moi, ça. Non. Tu n'auras rien de tout cela, je te le dis. Je te laisse le morpho bleu, c'est toi qui l'as capturé. Mais c'est nul. Mais non. C'est... Moi j'aurais préféré le Scarus. Bah non, le Scarus. Gnagnagna, allez vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé. Je joue plus jamais avec toi. C'est pas possible, jeudi t'as mis qu'on streamait à deux. Bah je vais changer. Et dimanche on stream à deux, puisqu'on stream Metal Gear. Ouais, mais Metal Gear c'est pas grave. Bah non, parce que je fais de la merde. Alors ça te fait rire, c'est ça. Bah t'es une arnaqueuse, mais bon. Rouge, rose, jaune, noir, une autre couleur. Ben je sais pas. On s'en fout si ton toit. Ouais. Si vous m'aimez, faites-moi des dons. Voilà. Sinon, je fais mon... De toute façon, je vais faire ma petite. C'est une maison. Je vais faire ma petite malheureuse maintenant. Regardez. Ne marchez pas dans son pied. Regardez, je me mets en intermission en grand. Regardez. Rose. Bah, je me tape parce que je voulais faire une maison noire et blanche. Vous avez vu mon casque Doom? C'est la seule chose qui m'apporte du réconfort en ce moment. Mmh.
J'ai besoin d'argent pour acheter un season pass que j'ai déjà acheté. C'est pour ça que je l'avais pas. Bah ouais, mais bon, on m'écoute jamais. Go faire du Doom. Bah ce soir. Je suis un petit peu... En vrai, Doom, je suis un peu dégoûté parce que... comment dire? En fait, c'est bien Animal Crossing, tu vois, mais... Genre... t'as envie d'y jouer. Et quoi? Non, c'est même pas... Non, en vrai, je m'en fiche. Hein. Genre, que ce soit toi ou moi qui joue, gare, je suis posé. Là, on va utiliser le DAC. Je peux pas déjà le rembourser? Non, c'est demain. Oh bah, j'ai le temps alors, du coup. Bah oui. Allez, hop. Parce que là, ta maison est pas encore construite. Donc voilà, du coup, j'ai 120 000 clochettes et lui en faut 98 000. Donc en fait, il m'en manque encore 10 000 parce que pour faire bouger sa maison, on a déjà vu que c'était 30 000. Mais il faut que la mairie elle soit construite. Donc de toute façon, la mairie, sachant que demain... Non, c'est pas la mairie, il faut que ça soit le... Si. Bah oui. Bah oui, bah qu'ils deviennent du coup une mairie. Enfin, je pense que l'amélioration du bureau des résidents, c'est une mairie. C'est comme Méli Mélo, l'amélioration, entre guillemets, bah c'est la boutique. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas un musée, Thibaut, quand il est arrivé, c'était une tente. Donc je pense qu'après, bah voilà, bah là je pense que c'est pareil. Et là, demain, il y a un nouveau résident qui arrive, ça sera le dernier. Et je pense que, parce qu'apparemment ils peuvent pas arriver d'un coup tous les trois, donc voilà. Et quand lui sera arrivé, je pense que il va nous dire, ah bah là, il y a beaucoup de citoyens, du coup il nous faut une mairie. Fabriquer les bons outils. Fabriquer de bons outils. Fabriquer de bons outils. Savoir s'organiser aussi. Prends ça. Prends tout ça. Savoir s'organiser. Mais je le cherche justement. Il est au-dessus. Je crois que là où est. Là, ah, voilà. Prends ça. Mon Yuen. Mon Owen d'amour. Mon Owen. Mon Owen et moi. Mon Owen à papa. Mon Owen à papa. Non. C'est pas mon papa. D'accord. Donc ma femme ne m'aime pas. Mon premier enfant ne m'aime pas. Mon deuxième enfant, il m'emmerde. Parce qu'il pleure tout le temps. Il est malade, petit canard. Ah, bah ouais. Ça veut faire un canard. Moi, je... Il va faire un canard, ta maman d'amour. Ouais, il va faire un canard, maman ta maman d'amour. Ta maman d'amour. C'est mon Pikachu d'amour. Ah, oh, mon amour. Mon amour. Mon petit prince. Oh, ouais. T'es bébé à maman. Il fait un canard tout seul. Oh, oui. Au moins... T'aimes pas papa? Non, papa est triste. Regarde, c'est bon, j'ai eu. Mais je suis très content pour toi. C'est cool, ça. C'est téléphone. Non, mais le 2... Le plus de la manette. Ah. Hop, tout ça, mon chéri, je crois que c'est le docteur. C'est le docteur? C'est le docteur, c'est mon petit frère. Bah écoute, je reprends la main. Vas-y, vas-y, reprends la main. J'allais chercher un museau. Donc, hop. À la limite, je vais lui faire quelques quêtes, parce que moi, je suis gentil, moi. Parce que là, elle me désespère avec ses... Elle me désespère avec son truc là. Faut l'acheter ton fils. Propose-lui d'essayer le casque Doom. Il aime pas le casque Doom. Tu veux mettre le casque Doom? Non. Enfin, en fait, c'est entre guillemets, c'est de ma faute parce que genre il a. Quand j'ai reçu la collector, que j'ai reçu le casque, je l'ai mis
Et je suis allé dans la chambre pour le voir. Et ça lui a pas fait peur, mais il était genre, c'est quoi ça? Et au début, il aimait pas trop que je le m'aidais en fait. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme quête? Elle a. Vendre des coquillages, génial. Vendre un article phare pour une fortune. Oh, personnaliser les objets, couper du bois. Pêcher une bouvière. Bon, super quoi. Ouais, donc en gros, en plus, elle a des quêtes chiantes quoi. C'est génial. Une bouvière. Mais elle a pas de hache. Bah voilà, c'est pour ça que ça marche pas. Ah oui, j'allais dire, elle peut pas utiliser mon atelier. Il manque un caillou. Bah le problème c'est que je l'ai mais sur moi. Changer leader. Ah oui, non, c'est derrière. Appeler un habitant. Tu joues avec une autre personne en ce moment que tu veux. On va changer l'éditeur, voilà. Le caillou. J'ai toujours pas essayé le mode multi d'ailleurs de Doom. Hein. Ah oui, mais elle a pas fabriqué des bons outils. On va lui faire sa quête de couper du bois, ça sera déjà ça. Ah, ça fait bizarre de jouer avec les vibrations, parce que là, du coup, sur la manette que j'ai, là, normalement, qui est filière, elle est pas... Là, il n'y a pas les vibrations, et là, la manette, j'ai envie de dire officielle, même si c'est pas, elle n'est pas dans son truc officiel, mais c'est pas la même chose du coup. En fait, les nunchucks sont officiels, mais ce qui relie les nunchucks ne l'est pas vraiment, c'est une autre marque. Que c'est le porte nunchu, le chargeur du coup qui est plus la même chose. Moi non plus, juste fait le didacticiel. Du mode multi. Mais tu peux pas vraiment jouer avec tes potes au mode multi. Enfin, si, mais en gros, c'est contre eux quoi. Parce que soit tu joues, si tu veux jouer avec un de tes potes, au final t'es les démons. Et si tu, même si tu joues avec un de tes potes et qu'il y en a un qui joue le Slayer, bah ça veut dire que t'es contre ton pote. Donc vendre des coquillages, oh, c'est chiant. T'as le pire, c'est que bah, forcément, il n'y aura pas de coquillages, quoi. Ah, mais on n'a pas revendu ceux que j'ai attrapés tout à l'heure. Je croyais que tu aimais pas papa. Que t'aimais maman. Papa, il va mettre le casque Doom. Voilà. Il n'y a plus de coquillages, quoi. On se demande bien ce qui s'est passé.
La caméra, ils essayent quand même de suivre, enfin de faire en sorte à ce que les deux joueurs soient sur la même cam. Hein. Hop, on va aller prendre des. On va aller les prendre des coquillages. Lady s'est faite la balle. Bah, le docteur vient d'arriver pour Hanzo. Parce qu'Hanzo, il a. En fait, depuis le confinement, on n'est jamais sorti. Mais tout le monde est tombé malade parce que bah Owen juste avant le confinement, il est sorti avec ma mère et du coup bah il est revenu avec un rhume et bah en fait il a contaminé quasiment tout le monde, n'est-ce pas? Oui oui, n'est-ce pas? Alors 5, 6, 7, hein. Y a pas assez de coquillages. J'en ai peut-être dans mon truc. Vas-y, file-moi la main. Ah, tu peux pas les lâcher. Vous brûlez toute la baraque avec vos dents pour tout décontaminer. Bah génial. Ça m'embête de lui lâcher mon bénitier géant. Mais bon. On va être gentil, hein, parce qu'après elle va dire gna gna. Moyez moins de poignons, moyez moins de poignons. Alors, est-ce qu'elle a les 10? 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Elle me stresse à pas avoir les bons outils, elle me stresse à pas avoir. Elle me stressait à pas avoir autant d'emplacements dans son inventaire. Du coup, elle foutra moins sa mère par terre. Voilà. C'est quoi l'article phare? En plus, elle a des quêtes chiantes en vrai. Hein. C'est quoi l'article phare? La table de jardin naturel. Ah. Faut regarder, je sais plus ce qu'il faut. Faut du bois. Je crois qu'il faut du fer. J'en ai fait pour amener. Parce que maintenant, pour amener un mec sur l'île, faut que tu le trouves, mais en plus, il faut que tu lui dises ouais, viens. Enfin, il faut que tu construises des trucs, quoi. Table de jardin naturel. Ah, elle l'a même pas. Chet! On va parler aux gens alors. Voilà, comme ça du coup on a le remède. En plus on lui débloque le remède. Ah bah de toute façon Truffa elle est là. Je suis pas sûr qu'elle ait parlé à Bouloche. Et maintenant faut parler soit à... soit à Savannah, soit à... À Chabrina. Allez, en vadrouille, Chabrina.
Ok, et Savannah. On va voir. Du coup, le casque de Doom, il est quand même assez impressionnant en vrai. Alors, pêcher des poissons, attraper des insectes. On va essayer de pêcher la bouvière pour faire d'une pierre deux coups. En plus, on lui farme ses nook points. Scandale! Ah bah voilà. Est-ce que je suis pas un peu le boss? Eh oui les amis. Juste le boss quoi. Forcément quand c'est pour quelqu'un d'autre, les quêtes je les fais en 5 secondes quoi. Une cicindelle. Alors par contre la cicindelle... Ah et en plus je lui débloque des trucs là. La cicindelle je suis pas sûr de la choper aussi facilement. En plus, on a la chaîne de maïs. D'ailleurs, on va continuer peut-être à essayer de choper les bouvières. Parce que les bouvières, en fait, c'est 900. Hein. Donc, pour elles, ça sera cool. Ah, c'est carrément plus facile. Parce qu'en fait, moi, vous voyez, j'ai une manette comme ça, filière. Donc, elle n'est que filière. Hein. Tu peux pas jouer avec elle... Et elle a pas de gyroscope et de vibration. Du coup, c'est une manette que tu chopes à 20 balles, tu vois. Malgré que ce soit une manette Zelda ou autre. Et bah elle, vu qu'elle joue avec ça, là, pour le coup, bah, moi, j'ai l'habitude de jouer avec la filière. Parce que quand je fais des énormes sessions, en général, les batteries, elles tiennent. Enfin, c'est pas qu'elles tiennent pas, mais... elles font pas long feu. Donc je préfère jouer avec une... avec une filière. Mais là, le fait qu'il y ait des vibrations, du coup, c'est carrément plus facile pour moi. Oh, petit salopard. T'as de la chance. En plus, je peux pas insulter trop fort, parce que bon, il y a un vénérable médecin, donc... On va pas le choquer avec notre langage. Je vais lui-même lui ramasser des branches, parce que vu que j'en ai pris pour faire une hache... Après, elle va râler, oui, elle m'a consommé 10 branches. Elle en a combien? Elle en a que 2 en plus. Alors... Non, maintenant, elle sait fabriquer un remède. Us! Ouais, c'est plus simple quand même avec les vibrations. Hein. On va essayer d'aller à l'estuaire, peut-être qu'il y a un gros poisson. Non. Ouais, les coquillages sont réapparus, bon. Ah, il a disparu le poisson, tu m'étonnes. Parce que j'ai un moitié couru. Toujours pas sa quête là? Ah, la canne à pêche elle a cassé. Du
du coup, c'est, il y aura assez pour une canne à pêche. Elle a combien sur ses quêtes? Il reste plus qu'un poisson. Ah, puis c'est chiant parce que comme je peux pas comme je contrôle pas le deuxième, enfin comme je me contrôle pas moi au final hein, parce que bon, du coup le pépère il me suit pas et de l'argile. Une cicindelle. En plus, c'est la, c'est sa quête pour les insectes. C'est sa quête pour les insectes. Hop. Canne à pêche. En gros, c'est plus, c'est, on fait plus une session pour Lady Alucard que pour moi, quoi, parce qu'on est en train de lui monter son perso. Regardez-moi ce mongol là, qui m'applaudit, mais c'est moi en fait. Je m'applaudis moi-même. Forcément, au moment où je dois faire bien des projets de bricolage, personnalisé, ouais, c'est la table, ouais. Bon là, l'avantage c'est que j'ai juste à pêcher. Et j'en ai fini une autre. J'ai cru. Je me suis fié au bruit. Je ne l'ai pas dû. Hop. C'est une bouvière, ça, je pense. Ça vaut cher. Hop, du coup, elle a son truc. Désolé. Hein. Moi aussi, j'ai un chat dans la gorge, quoi. En plus, elle a une quête pour échanger des nools, des nook points. Donc, on va pouvoir aller lui prendre. Je sais pas si elle a pris les meilleurs outils, j'ai pas regardé. Je sais pas si c'est les meilleurs outils qu'elle a pris ou autre. On a un dernier petit papillon là qui se promène. Ça compte ou pas? Ça compte. Ça je savais pas. Donc c'est cool. Voilà, comme ça, là, des bons outils, un meilleur
un meilleur inventaire. Ils casseront moins vite et gaspillera moins de ressources. Et en plus, c'était une quête ça. Chut, hop. Par contre, elle a pas encore la roue. C'est pas encore là. La roue. En fait, quand t'appuies là, moi j'ai une roue et je peux choisir ce que je veux. Ah d'accord. C'est ça, le guide du panel d'outils, je crois. Je crois que c'est ça, hein. Je suis pas sûr. Donc c'est juste un rhume, bon bah on confirme, hein, on l'a tous eu quoi. Voilà. Maintenant, elle a la roue. Qu'est-ce qu'elle a encore à faire? À choper. Motif perso pour les pros, ouais, bon, les coiffures, forcément, mais bon, ça, c'est secondaire, quoi. Là, maintenant, ça sera quand même mieux pour elle. Hein. On va aller lui revendre son inventaire. Je suis con, ouais. On va lui revendre son inventaire pour pas être vache. Et puis on arrêtera la session là pour elle parce que je vais pas farmer son perso quoi. Animal Crossing Eternal du No Life. Ça aurait été bien qu'on puisse avoir le casque quand même. Qu'est-ce que tu lui as fait? En plus, elle se fait quasiment 15 000 clochettes. Voilà. Du coup, là. On va changer de leader. Et là. Je vais faire... tout simplement enlever le leader, quoi. Comment il va, West? Je cherche désespérément le seul account. Enfin, le seul account. Il faut que tu pêches les jours de pluie, ça. C'est normal si tu le chopes pas, en plus, c'est super rare. Bah ouais, mais le poisson ruban. Je veux terminer la session. C'est un morphale, ce Margot. Voilà, comme ça. Bah oui, parce que là, maîtriser les deux. Mais bon, maintenant, tu peux faire comme ça, avec la croix multidirectionnelle vers le haut, là, comme moi, pour choisir plus vite tes outils. Tu as un meilleur inventaire et tu peux construire les outils améliorés. Qui sont vraiment plus pratiques parce que vraiment ils se cassent moins vite et ils te donnent plus de ressources. Enfin, tu peux y avoir plus de ressources du coup. Parce que c'est pas le tout, mais moi j'ai une maison à rembourser, les gars. Ah, les ombres géantes, tout ça. Bon. Moi j'ai eu un poisson ruban, mais le Selekant, je sais, enfin, la seule fois où il y a plu, je pouvais pas jouer donc. C'est les cantes, quelle est cantes? Ouais, quand il n'y a plus, j'ai joué vite fait, mais je me suis allé me coucher, quoi, c'était au matin, donc... C'est par rapport à notre météo à nous, ou... Non.
Non, c'est une météo pif, quoi. En cas où, parce que j'allais dire forcément, en plus en ce moment il fait beau. Si ce week-end il pleut normalement. Non, mais ouais, ça n'a rien à voir. Il est super beau. Bah, j'étais en mode teint, il est super rare et en fait, à chaque fois, j'ai l'impression que les gens ils le chopent super facilement. Mais j'en ai eu qu'un moi. Hein. C'est le présentoir à bijoux. Qu'est-ce qui lui arrive à ce mongol? Le gars tout d'un coup. Tu le veux le truc présentoir à bijoux ou pas? Ah, ou pas. Ça, j'aurais donné. Oh, bah, tu peux les donner, hein. Bah, non. Il fait déjà assez bizarre comme ça. Hein. Tu veux, tu peux prendre mon bloc terrestre. C'est vrai! Ouais. Si tu le trouves dans mon bras, là. Ouais, j'ai même pas. Je peux même pas le. Je vais le jeter, puis c'est bien. Hein. Ouais, merci pour l'échange. Et c'est quoi ça? Ah oui, l'étagère impériale. J'aurais bien voulu la voir. Bah ouais, mais faut que j'attende que ma maison elle soit mise, parce qu'en fait, faut l'accrocher au mur. Oh. Ok. Ok, ok. C'est quoi sur ta table? C'est une Switch? Bah comme ça, franchement, on dirait pas. Bah ouais, mais bon. Je dois me t'avouer qu'au premier abord, c'était un fusil. Un fusil dans Animal Crossing? Mais non, mais c'est pour ça. Mais pour l'instant, j'ai pas d'endroit pour les mettre, quoi, mais... Il me manque un gros bureau, un truc comme ça, en fait. Ouais. Peut-être faire ça. Ah, du coup, t'as une pièce... C'est ta salle de bain? Pour l'instant, ouais, j'ai fait une pièce salle de bain. Enfin, c'est une pièce autoroute, quoi. J'ai un miroir gothique, mais il faut. Faut pareil, il faut un meuble. Il y a un téléphone, mais. T'as téléphone dans la salle de bain? Bah ouais, mais j'ai pas assez de meubles. Je vais en faire, je pense, là. Bah après, il faudrait que je fasse une chambre, en fait. Bah, quand j'aurai le droit à une nouvelle pièce, parce que j'aurai remboursé Tom Nook. C'est pas comme si je claquais des doigts, j'avais une pièce, quoi. Ouais. 398 000, hein. Combien? Bah là, j'ai plus 398 000, j'ai moins, j'ai 150 000, je crois, à rembourser, je sais plus. Et t'es à ta combien d'améliorations? Troisième, je crois. Ah oui, donc en fait, t'as une petite maison, après tu... T'as une petite maison, après t'as agrandi ta pièce, après tu réagrandis ta pièce, je crois. Ou alors, c'est t'as une seconde pièce. Je sais plus. Animal Doomsing. 100 000, tu peux les donner facilement. Ça dépend ce que tu récupères. 100 000. Il est quelle heure? Bah, t'as ton morpho bleu déjà. J'ai 1h10 pour les 100 000. Hein. Je peux t'assurer que je les aurai. Hein. Morpho bleu, c'est à toi. Ça, c'est à moi tout ça normalement. Oh, deux. Balance de cuisine. Je vais te la mettre dans. Je vais te la mettre devant chez toi si tu veux ta balance de cuisine. Oh là là, jouez avec vos copines, hein, les gars. Regardez ce que ça fait. Hein. Ça pleure. Alors que s'il y a un pont sur l'île, c'est Bibi. S'il y a des gens sur l'île, c'est Bibi. Bah, t'as qu'à jouer aussi. Regarde là, oh, on aurait pu jouer ensemble, ok, bah voilà, on a joué ensemble, et au final, t'as jamais autant progressé qu'avec moi, parce que t'as eu 3 nouvelles fonctionnalités, en plus d'avoir les quêtes. Parce que, il est pas mon million. Je te
Là, je me dis, bon, je vais peut-être améliorer ma maison quand même. Il prend tous les sous. Alors que je t'ai fait gagner 20 000 des brouettes là. En farmant pendant que t'étais avec le médecin. Alors je serais toi, pff, poupouille. Et du coup, il change de... Non, ça sert à rien de lui changer de lait. Ça fait déjà 4 fois qu'on change de lait. Le lait et Enzo, ça fait 2. Donc il arrête de vomir. Il va falloir que je fasse comme Owen, c'est-à-dire que je passe au solide un peu. Bah, quoi pas. Voilà. Donc j'attends quand même ces 3 mois. Comme le médecin il m'a dit, il faut attendre ces 3 mois. Prends-moi 3 mois et demi, dit vous passez, vous donnez quelques cuillères, par contre vous lui donnez quand même son lait après. Merci Enzo. Mais il est passé voilà. 3 mois. Et merci, il vient de me vomir dessus. Bon ça c'est un petit vomi. Hein? C'est un petit vomi. Il a bien fait pour toi. Il m'a foutu. Il t'aime. Tes enfants t'aiment. Ah oui, mes enfants ils m'aiment. Et ils te le rendent bien. C'est clair. Et bientôt on va passer au... Regardez-moi ce mongol qui court en mode Naruto là. Il aura quand même son lait, il aura... Ça, y a pas de soucis. Mais ah non, je vais faire comme un Owen parce que c'est une catastrophe. J'ai quand même hâte qu'il soit une autre saison parce que j'ai toujours l'impression qu'Animal Crossing ils sortent des saisons. Il est sorti le jour du printemps donc t'es venu pour jusqu'au 21 juin alors. On n'a pas l'impression que c'est le printemps là. Si. Ouais, si quand même. Ah, sinon c'est l'hiver en fait. Donc si quand même. Têteux. 21 juin l'été, après c'est automne-hiver. Est-ce que je t'ai dit de parler? Je t'ai dit têteux. Mmh. Putain, c'est chiant. Non, faut que je demande à Amandine si quel temps il fait chez elle dans le sud. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes saisons que nous. Bah, là en été, sinon on n'aurait pas de requins. Eh oui. Oups. C'est pas ce que tu voulais faire? Pas avec la bonne hache, sinon je vais le couper l'arbre. J'ai envie de faire des meubles. Parce que j'ai besoin de tables et de bureaux. Il est énorme ce papillon. Oh, c'est une grande... Je sais pas où ça se revanche. Bleu, mais j'ai jamais eu tout seul. Et j'ai été bête, je l'ai jamais vendu tout seul. On va y regarder. Voilà. Mais il a... Il est disparu. Non, il est là-bas. Apparemment, j'ai regardé Anima Dooms 20 heures pour la durée de vie de la campagne, les gars. Peut-être en même en mode normal en plus, alors imaginez. Oh oui. Pas très fin en plus. Pas beaucoup manger. Pas mourir de faim bientôt. Aller faire les courses bientôt. Demain. 1000 clochettes, ça va.
c'est pas dégueulasse, mais c'est pas non plus. Rien à voir avec le morpho bleu, j'avoue. Hein. Non. Ah! Il est jeune, les grands machins là. Si tu les casses, il me semble. Les macarons. Il y en a 20. Ça se rend combien ça? Pas cher. Pour te donner une idée, la carte c'est 300. 300 seulement pour une carte? Ouais! 780 clochettes, bah je te laisse deviner, vu que la carpe elle tout seule c'est 300. C'est pour la non, c'est pas. C'est nul, on peut le dire, c'est nul. À ce point-là. En vrai, moi aussi, mais. Mais non! Et non! Bon les gars, si vous avez soit des poires, soit je sais pas c'est quoi le dernier, je crois que c'est des oranges ou des pêches. Il y a peut-être les trois, enfin il y a peut-être les deux d'ailleurs. Si vous avez un de ces fruits là, ça serait sympa que vous me le donniez. Où est-ce qu'il a des pêches? Et ben voilà. Bah. Mais il n'ira pas les donner. Bah si en fait parce que sinon je pique une crise. Il voudrait quand même pas que je pique une crise. Bon en fait je vais faire ça là à la table. Faut un jeu de blocs de bois et du bois tendre. Hein. Moi j'ai eu le truc pour faire une matrioshka. Coucou Paton, comment ça va? Matrioshka, un truc comme ça. Matrioshka. Une matrioshka. Ouais. Qu'est-ce que c'est en. Ah! Tu peux faire des poupées russes. D'ailleurs, je t'ai débloqué aussi les remèdes pour les guêpes. Est-ce que j'ai du bois? Bah oui, le bois tendre. Ok. J'ai envoyé le biberon en photo. Il dit à tout bu. Il a vu combien? Je sais pas, 150, 150 ml, mais il m'a vu. D'ailleurs, Paton, je pense à toi. Parce que cette semaine, on a du Phoenix Wright. On reprend le jeu. On passera au jeu numéro 2. J'ai un petit peu diversifié, je me suis dit tiens je vais mettre du Doom, du Animal Crossing, forcément, parce que c'est les jeux du moment, mais j'ai envie de me faire une campagne Total War Warhammer 2, et j'ai envie de reprendre Phoenix Wright. En vrai j'aimerais énormément reprendre Days Gone aussi. Moi j'ai ça, regarde. C'est un Mukogyo. Je sais pas à quoi ça sert, mais je vais le faire. Oh yeah! Ah d'ailleurs, je vais quand même vous montrer, parce que j'ai réussi à récupérer ma collector en allant du coup chez le mec. Donc voici la connector de Doom Eternal, qui est énorme, je trouve. Voilà, c'est vraiment gigantesque. Ça va faire une belle déco. Et si vous n'avez pas vu le casque. Ah, le casque, il est là. Et il est parfaitement mettable. Eh oui. D'ailleurs, il est même très grand pour moi. Et il y a un système à l'intérieur. C'est ça qui est cool. Il y a un système à l'intérieur pour régler. Donc là, je l'ai enlevé parce que j'aimerais bien savoir comment il fonctionne. Mais vous pouvez vraiment le mettre à votre taille et du coup le porter dans la vie de tous les jours. Mais là, regardez, il est trop petit pour moi. Là, il faut que je trouve comment le mécanisme fonctionne. J'ai pas encore regardé en vrai.
Vraiment pas déçu d'avoir dépensé pour l'édition collector. Parce qu'en vrai, les figurines, au bout d'un moment, tu vois, c'est chiant. Et là, c'est assez sympa. Ça fait un bel objet de collection qu'en plus, tu peux vraiment mettre. Je trouve ça vraiment sympa. Génial, j'y ai pensé hier. Vous avez vraiment l'autre mec, du coup, c'est débile. L'autre mec ? De quoi ? Du coup, West, si t'as ta Switch à côté, viens me filer des pêches. Le fruit, hein. Non, des vraies pêches. Si tu me tapes, c'est pas gentil. Moi, je peux faire un jeu de lancer d'anneau. Je peux faire un petit pot de miel. Oh, c'est le pot de miel de Winnie. Ça ressemble vachement, ouais, ouais. Mais je trouve que ça ressemble plus aux cruches de Zelda aussi. Ouais. C'est une maison. Réalisable. I'm coming, d'ailleurs, tu as quoi comme fruit? J'ai des pommes et des cerises. De coco. Et bah les noix de coco, ouais, mais tout le monde peut les avoir, les noix de coco, il suffit d'aller sur une île et en général t'as toujours des noix de coco, donc je pense pas que ce soit rare. J'aimerais beaucoup des bananes, mais apparemment ils sont pas du tout dans les jeux. Oh, tu sais quoi, je vais faire une balancelle. Ah, j'ai pas de bois. Bah je vais faire faire un joli jardin. Oh putain, hey, ça me donne trop envie ça. Ça me donne envie de bouffer une motherfucking pizza. De l'argile, du bois, des pépites de fer. Bah ça tombe bien. Je les ai. J'ai aucun de ces trois fruits. Ah ouais? Bah je vais t'en donner. Va à ton aéroport, t'inquiète, je vais te les donner. Cerise, orange, pomme, cerise, orange, poire, pêche, noix de coco. Il y en a 6, monsieur. Ok. Donc il vous manque l'orange et la pêche. Lol. Allez, mettre le pyjama. Petit lapin d'amour. Après, quand t'as une maison, tu peux passer comme ça. Mon petit hamster. Et mon service à thé. Tu vois le tapis là qu'il y a au sol, ouais. Quand c'est grand, c'est grand. Hein. Ils se foutent pas de toi, les mecs. Hein. Ouais. Ouais. Je vais prendre ça aussi. En revanche, j'ai masse fossile. Bah, si tu t'en sers, si tu t'en sers pas, quand tu vas sur les îles, tu peux en choper. Ah d'accord. Du coup, c'est vachement bien. Si tu t'en sers pas et que t'as pas l'intention de les revendre, je veux bien essayer de voir si moi, mon musée, il les prendrait. Parce que je t'avoue que l'argent dans le jeu m'intéresse pas. Alors attention, hein, j'ai quand même acheté des navets, tout ça. Enfin, l'argent, c'est toujours bien. Mais on va dire que c'est pas spécialement ce qui m'intéresse dans le jeu. Alors, je peux te filer des pommes, des noix de coco... Et des cerises, voilà. Comme ça, au moins, tu les auras. En fait, je préfère monter le musée. Je préfère monter le musée que... qu'avoir de l'argent dans le jeu. Parce que... Et ça, je vais le mettre dehors, je pense. Je vais manger, je reviens tout à l'heure. Pas de soucis.
Alors, je récupère juste des petits trucs à côté. D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse une petite session où on visite les îles des autres. Ça serait cool. Ça serait sympa. Du coup, le lampion. Parce que là, j'ai un petit barbecue, tu vois, mais c'est nul. Même les clôtures, elles sont pas ouf. Donc là, je vais faire un... Attends. Je vais prendre ça. Pourquoi je peux pas le mettre ici? Voilà, regardez, je me fais un petit jardin zen. Voilà, ça, je me fais un petit truc comme ça. L'eau de piquet de tronc, l'eau de piquet de tronc, l'eau de piquet de tronc. Ben, en vrai, je vais mettre des clôtures. Je vais dégager ce truc là. Je vais dégager cette souche. Hop là. Je vais prendre ça, je vais le mettre devant chez moi, un truc comme ça. Sachant que j'ai la lampe de jardin aussi. Ah, ou alors je le mets là, contre l'arbre. Un petit abri à oiseaux. Je suis parti en mode customisation. Alors, je voulais prendre les clôtures. Parce que les lots de piquets, en fait, j'ai l'impression que c'est pas fait pour ça. Et du coup, bah, je vais délimiter mon jardin, quoi. Je vais prendre ça pour le mettre ailleurs. Sans où les fleurs, voilà. Voilà. Et je vais mettre... Alors j'espère... Ah d'accord. Ah, c'est selon comment tu te tiens en fait. D'accord. Make America great again. Déjà pas mal là, ce que je... comme jardin. Pas trop gourmand non plus. Parce que là, tout ça, c'est censé être mes fleurs, hein, mais. En fait, ça aurait... un truc de plus, ça aurait été cool. À moins que je laisse comme ça. Bah pour l'instant non, mais je pense pas que ça n'existe pas, enfin, faut voir. Même une arche, tu sais, au-dessus. Ça serait joli. Pour l'instant j'ai pas, mais voilà, comme ça j'ai un vrai truc.
Déjà que les murs, tu peux vraiment mettre ce que tu veux. Hein. Je trouve que ça fait pas assez grand l'entrée. Je préfère clairement quand c'est comme ça, tu vois. C'est très bien comme ça. C'est cool. Après, je peux en mettre pour d'autres personnes au pire. C'est pareil. Alors, attraper des papillons et... Alors, c'est quoi le papillon? Un morpho bleu. On en veut tous des morphos bleus, mon pote. Hein. À 3000 le bazar... Je peux t'assurer que quand on en voit un, on y va. Hein. Là, je me ferai un petit... Comme j'ai des clôtures bouddhistes, je me ferai un petit jardin zen. Faudrait juste que je puisse... Ah ben oui, mais maintenant que comme j'en ai un, je peux la racheter, le lampion. Pour faire une petite déco. Mais comme j'ai les murs zen... Ah! Je crois qu'il y en a un là-bas de morpho bleu. Bon, je suis déjà en mode... mais faut... Faut pas me laisser sur ces genres de jeux, hein, je vous préviens, hein, en fait. Hein. Et encore. Ah ouais? Ah cool. Bah c'est cool parce... En vrai, avec tout ce que t'as... Avec tout ce que t'as débloqué, là, tu vas voir, ça va te changer le jeu. Hein. Il y en a qui gueulaient déjà que ça, là, le Nook Phone, c'était chiant parce que, en fait, ça s'introduisait, enfin, ça te générait du stress et tout. Mais je leur dis, mais... Bah, je m'en doutais. Je l'ai dit, et j'en ai parlé hier avec les gens. Avec Ghost et LS. Ils disaient, tu crois que les Japonais, ils mentent? Parce que lui, il a peur parce qu'il doit aller au Japon. Et il disait, tu penses qu'ils mentent pour pas se faire sucrer les JO? Et je lui ai dit, tu vas voir qu'ils seront reportés, les JO. Je lui ai dit hier. C'est sûr, c'est évident, ils vont pas retirer l'accréditation comme ça. Ça serait mal pris. Mais ouais, tout ce qui est jeu créatif comme ça, faut pas me laisser y jouer parce que... Au bout d'un moment... Tout ce qui est Space Engineer, tout ça là, vous allez voir hein, quand on y jouera... En vrai, je vais faire une lampe de jardin. Une table de jardin. C'est du bois dur. Il faut... Je vais me faire un vrai jardin, en fait. Alors, par contre... Tac. Attendez, excusez-moi. Parce que je suis sur plusieurs trucs à la fois, donc forcément. Parce qu'entre O-Game, Grépolis, tout ça, forcément. Montrer aux gens qu'on est présent connecté parce que sinon je l'attaque. Ah, ça m'embête ici. Hop. Allez, chut, on fait ça. Alors. Du coup, je voulais garder les... Alors, les lots de piquets de tronc, je vais aller les revendre. Il faut du bois. Comme ça, on va faire une table de jardin. Et je pense que j'aurai assez pour faire les... Au travail. Faire les...
quelques chaises. En plus, elle est personnalisable. Donc tu peux éventuellement changer... j'ai pas les trucs de personnalisation. Waouh, mais en chaîne, c'est beau. On va faire ça. Petite balancelle. Voilà. Ah merde. Tu peux pas faire grand chose parce que... Bah en vrai le barbecue... On va le mettre là. Ou tout en bas. En vrai. Je vais mettre un petit barbecue. Du coup là-bas. La tondeuse à gazon, parce que j'ai commandé une tondeuse à gazon, on le mettra là-bas. Je vais mettre la table là. Alors on pourrait personnaliser la chose. Pour l'instant je vais garder. Je le ferai plus tard. Là on peut mettre chacun de son côté, oui. Alors c'est pas une énorme table, mais c'est déjà pas mal. Pas la balancelle, la chaise de jardin. Ah, tu peux faire... Alors, je préfère le mettre là, mais elle est pas au milieu, je crois. Hein. Mais bon. Là, je vais mettre la balancelle. Ouais, un petit jardin, quoi. Je trouve limite que le feu, là... Limite le feu, je trouve qu'il gêne dans le paysage, en vrai. C'est pas... ça fait pas biaou. Je trouve. Je sais pas. Ou alors je le prends pour le mettre là. Voilà, puis là je fais les lampions et là j'irai planter des ah des fleurs. Bon, des fleurs un peu particulières hein, parce que là malheureusement pour l'instant. Quand West arrive, il fout sa merde. Quoi, y a pas assez de place pour le mettre ici? Tu te fiches de moi ou quoi? Ah voilà. Voilà. Petit atelier. Du coup, je peux faire une autre chaise. Veux-tu bricoler quelque chose? Au travail! Je me connecte. Nice. Est-ce que t'as autre chose que les pêches? Ah, il me manque une pépite de fer.
juste faire ça. Rien d'autre, c'est Daesh. Bah alors. Voilà, comme ça là on peut vraiment faire ça. De toute façon, je vais devoir faire ça parce que là si je remets une chaise, ça marchera pas quoi. Je vais acheter un autre lampion du coup pour faire une sorte de petit temple. Je vais aller chercher des fleurs. Cet arbre là il me gêne. Et du coup je vais en faire une souche. Parce que en fait les souches, si vous voulez, il y a des insectes qui vont dessus. Donc de temps en temps, bah ouais. Voilà quoi. Bah c'est pas mal là déjà. Donc on va aller au DAC, on va revendre les piquetrons, le jeu en pneus aussi. Je vais prendre une pépite de fer pour faire le four. Bon, ça me fait chier de prendre tout ça en pépite de fer sur moi alors que je me dois... Bah, tu me diras, j'aurais pu en prendre une. Mais je vais regarder si je peux faire d'autres choses. Au travail! Je peux refaire une autre chaise. C'est cool. Décollons autre chose. Là, je peux même du coup en faire une autre. Bricoler autre chose. On peut faire une petite pompe à eau. Après, je peux faire une bibliothèque bloc de bois aussi, mais... En fait, ce qui m'embête, c'est que je... La bibliothèque bloc de bois, là... Je vais faire un vrai établi. Ah, tu peux pas parce que j'ai trop de trucs dans les poches. Tu me dis quand t'es prêt, hein, parce que je t'ai vu lancer le jeu, mais... c'est tout juste pour passer, mais ça passe. Par contre, la palissade, non, elle t'empêche de passer, quoi. Faudrait que j'ai un plus grand, en fait. Ou alors je bouge le feu, parce que ça fait pas bien, ouais. Et je remonte de 1. De 1 et 1 à gauche. De toute façon, je suis obligé de la reprendre. Ouais. Je transporte trop de choses. Ça, c'est chiant pour faire un jardin, en vrai. C'est chaud. Et du coup, là, je peux faire une lampe. La lampe de jardin. Ah non, c'est vraiment par terre, la lampe de jardin. Bah, je vais la mettre là-bas. Ici.
Dans le trou à l'aéroport. J'arrive. Qu'elle est pas bien placée. Avec la perspective, ça fait moins con comme ça, je trouve. Voilà. Je vais y arriver. Un petit barbecue, un petit four à pizza. On est bien là. L'autre piquetron, tout ça, on va les vendre. Ça, on va les vendre. Ça, je vais les remettre dedans. Et parce que le problème, c'est que je peux pas les vendre si jamais il y a quelqu'un sur l'île. Là. Et oui. Du coup. Entreposer. Pour l'instant, on n'a plus besoin du bois. Feu de joie, tout ça, blablabla. Ça, c'est ce que je dois te donner. Ça, je dois l'entreposer aussi. Ça, je dois le vendre. Alors, alors vendre. Vous savez, si je mets un petit peu de temps, mais j'étais absorbé par mes décorations. Bienvenue, fais comme chez toi. Alors l'autre piquetron. Piquetron, j'ai l'impression qu'ils servent pour faire des constructions comme le pont, mais après en fait je pensais que ça servirait de balustrade, quoi. Enfin pas de balustrade mais de palissade, et apparemment non. Bon, je te file les trucs et tu repars de toute façon, parce que je crois que j'aurai pas le temps. Je m'arrête dans pas longtemps, alors, hein. Genre là après je vais faire 2-3 trucs pour gagner de l'argent, mais sans plus, quoi. Alors, l'aéroport de déplaisir, que puis-je faire pour toi? Recevoir des visiteurs. Ouvrir le jeu en ligne. Et on ira planter, bah j'irai planter tes pêches en fait. Bah là, en théorie, tu peux, vu que t'es dans mes amis, en théorie, tu peux venir. Si je comprends bien comment ça fonctionne lorsque tu es avec tes amis. Donc, vas-y, essaye. Tu
feras pas attention au brin-brin de Lady Alucard. Elle a sa maison demain, donc en théorie. Et on va pouvoir en plus la rebouger, sa maison. Il vient de West Island. Allez, tu vas bientôt arriver à l'île des plaisirs. Ça me fera toujours marrer. Il est arrivé, il est tout beau. Oui. Vas-y, on va se mettre un peu plus loin, ça sera plus simple. Il va me... Naruto run. C'est ça qui court bizarrement quand même. Alors attends. Et voilà. Impeccable. Maintenant, file-moi ton fric. File-moi ton fric. Bonsoir, Driage, comment va? Il m'attaque avec un filet. C'est quand même dommage que tu peux pas tirer sur les gens. Ouh, la grosse perche à l'ouest. Ça, d'ailleurs, c'est des pommiers, là, que j'ai mis là. De toute façon, les fruits, tout ça, ici, il faut que je refasse toute l'île, hein, après. Faut que je refasse toute l'île. Ça va très bien. Ça va très très bien. Meilleurs amis. Tu peux utiliser cette appli pour voir les amis et meilleurs amis avec lesquels tu as joué. Si un joueur figure parmi tes meilleurs amis, tu peux voir quand il est en ligne. Si vous êtes tous les deux en ligne, vous pouvez vous envoyer des messages par internet. Si tu ne veux pas qu'on sache si tu es en ligne ou si tu veux pas changer des messages, tu peux désactiver la fonctionnalité. Oh. C'est pas mal ça. C'est cool quand même qu'ils rajoutent des applications à force. Nice. Ouais, bah, il m'a envoyé un message, non? Ouais, il m'a envoyé un message là. Si tu veux. Mes meilleurs amis, je crois que en gros, c'est t'as le droit d'utiliser ta hache chez moi et moi chez toi. Je crois. Oh. Stylé l'île en vrai. Bah, pour l'instant, en fait, là, je m'attendais pas à placer tout de suite les bâtiments ici et tout. Enfin, j'ai pas rangé les arbres. C'est les arbres qui m'emmerdent. Je pense que je vais tout déraciner, tout refaire. Parce que dès que j'aurai le truc pour faire les chemins là, par terre. Oh putain! Un petit poisson. Dans l'étang, moi j'ai jamais rien dans cet étang. Un tétard. Génial!
Bon, j'ai perdu ouest, mais c'est pas grave. Je vais les mettre là. C'est quoi, je vais les mettre là. Oh, j'ai une morpho, il y a un morpho bleu. Mia. Le morpho bleu. C'est 3000 balles ou 4000, je sais plus. C'est super cher. Du coup, j'ai largement la place pour en planter 3 là. Merci bien. Du coup, là. Câble. Ah, mais t'en as sur. What? Comment ça se fait que t'as réussi à me planter un arbre, toi? T'avais l'arbre sur toi? What? Surprise, motherfucker! Ouais, un petit peu. Attends, comment tu fais ça? C'est pas avec le fait d'avaler des fruits et donc du coup d'être plus fort et de pouvoir déraciner des arbres, du coup? Je veux bien que tu m'expliques. Elle est trop proche. En fait, toi, tu bouffes. Celui-là aussi, faut le virer. Ah. 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 D'accord. Bah, de toute façon, lui, t'inquiète, on peut le... Bah tu m'as appris quelque chose. Alors le caillou, je sais que tu peux les casser. Oh, le mille pattes. Putain. J'arrive. Bah là c'est Wes qui l'a piqué. Non. Ça fait plein de fois qu'il m'échappe cet enfoiré de mille pattes de merde. Et le problème, c'est que si tu l'attrapes pas, il est pas dans ta bébétopédie, donc du coup, c'est mort. Même si tu me le donnais, ça marcherait pas. Mais à chaque fois que j'en ai croisé un, il s'échappait, cet enfoiré. C'est ma némésis. En vrai, je vais le casser, ce caillou, je pense, parce qu'il est en plein milieu du chemin, il m'emmerde. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Je sais pas, je... Je pèse le pour et le contre. Impeccable. De rien, mais t'es un chatard, toi. C'est indécent, quoi. Il a plus de poils au cul que toute la maison ici réunie, quoi. Bordel. Bon, il y a deux bébés dans le tas, enfin bon, quand même. Ben c'est très bien. J'ai pas oui. Bon, le tétard, on s'en fout un peu, mais... Du coup, j'ai chopé le mille pattes, au moins. Je sais pas ce que je vais faire ici, dans le coin.
Faut voir combien de personnes peuvent venir sur l'île, quoi. C'est honteux. Tu sais comment on fait pour monter dans les falaises? Ouais, regarde. Ça veut dire que je dois être les gens plus avant. En fait, après, t'as une échelle. Par contre, bah, il la laisse pas. C'est que pour toi. C'est comme la perche, en fait. Mais je sais plus comment... Au bout d'un moment, il te la donne. Il fait, ouais... tu vas en avoir besoin, je sais plus pourquoi. Ou alors, je l'ai acheté dans les plans, je sais plus. Je t'avoue que je fais pas attention à tout ce que je fais, donc... Mais après, tu pourras faire des pentes. Quand tu pourras terraformer, tout ça. D'ailleurs, j'ai hâte de te pouvoir terraformer, hein, pour bouger le lit de la rivière, ce genre de choses, là. Ça a l'air trop bien. Hein. Je suis déçu qu'on puisse pas faire du petit poney. Petit poney. Petit poney. Petit poney. Ouais, ce sapin là, il est chiant. Hein. Et il court dans mes fleurs, sans foirer. Tu sais que ça les détruit, hein, si tu cours trop de fois dans les fleurs. Ah, ça les fane. J'avais même pas vu qu'elles avaient repoussé. Ah putain, faut que je les arrose. Oh. J'ai oublié. Faut que j'achète un lampion. Et moi, du coup, j'ai... Je peux aller visiter les gens alors que toi, t'es sur l'île, du coup? Ils ne savaient pas. Ah, c'est quand même plus drôle, entre guillemets, parce que, genre là, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Alors que, quand on jouait avec Lady, bah, c'était plus chiant. Parce que tu devais vraiment... tu dois vraiment jouer avec le fait qu'elle est à côté, quoi. C'est plus fun. Ah bah, je l'ai pas vu, lui. Oh oui, vas-y, j'en peux plus, je peux plus me passer de Chavrina. Bah, je l'ai pas. J'ai pas la quête. Oui, je peux faire mes quêtes et tout alors que t'es sur l'île. Ah. Ça, c'est cool. Enfin, tu me diras, je pouvais le faire aussi avec... Je sais pas si tu peux interagir avec... Non. Ça, c'est le brin-brin de Lady Alucard. C'est encore pire à l'intérieur. C'est encore pire à l'intérieur. C'est ça qu'il faut se dire. Il y en a partout. Elle n'a partout. Oui, faut parler à... Du coup, si je parle à Bouloche, là, qui est dans le coin, peut-être. Bah, il est chez lui, je crois. Ça vaut la peine de lui payer une nouvelle maison? Bah, écoute... On va dire que avec la maison, elle aurait des espaces de rangement, quoi. Le truc, c'est que sa maison, elle est mal placée, mais bon, comme on a bientôt la mairie, elle pourra déménager et se mettre dans un coin. Parce qu'elle, elle veut se mettre de toute façon à l'extérieur, et comme avec le pont, tout ça, bah, c'était pas construit. Peut-être que même d'ici là, on aura la possibilité de faire des pentes. Du coup, elle pourra même se mettre vraiment où elle veut, quoi. Faut bien la clodo du coin. Bah ouais, mais regarde, hé, c'est vraiment la Texan, Lady Alucard, c'est-à-dire tu débarques des frontières, tu vois, t'arrives, elle est sur son rocking chair comme ça avec son fusil. On n'aime pas trop les gens dans votre genre par ici.
Ah, on se fout pas de ta tronche, on se fout de ta maison. Non, tu t'es pas retrouvé de la merde, c'est juste qu'elle savait... Elle savait pas qu'en fait, quand elle posait sa tente, ça enlevait les arbres. Alors que moi, bah moi j'ai masse place, quoi, tu vois, c'est un peu la classe. Une petite malheureuse qui a dit quoi. Ah, je crois pas, non. Elle veut piquer ma maison. Nanananan. C'est toi qui l'as choisi, ma chérie, hein. C'est pas moi, hein. Nanan. Mais on s'en fout, ça enlève les arbres. Bah, tu me l'as pas demandé. Je suis pas une notice ambulante, hein. Bah, je crois pas, non. T'as qu'à savoir jouer. Tu n'avais qu'à... Tu n'avais qu'à essayer. Elle sait qu'elle m'engueule en plus. Faut lui jeter des clochettes à la Clodo. Promis, j'enlèverai un sac de sang, tu vois, puis devant, je... Tiens. le bassin à oiseaux. C'est vrai que je pourrais en faire un, vu que j'ai un arbre à oiseaux. Ça irait bien. Le bureau de professeur, je l'aime de moins en moins, en vrai. Hein. Wouah, l'étage 1. Ah, c'est trop bien! Ah, tu peux pas passer commande quand t'as de la visite. West, casse-toi! C'est le cas. D'accord, par contre tu ne peux pas acheter des choses quand il y a quelqu'un. C'est bizarre ça quand même. Même chez Milly Mello. Genre est-ce que je peux vendre alors qu'il est chez moi? Ça serait stupide que je puisse pas quand même. Attends, je vais voir. Parce que bon, dans ce cas là tu peux jouer avec tes potes et puis genre quand ils sont là, bah merde. Pas d'argent quoi, tu vois. Enfin, pas d'argent dans les caisses du trésor. Achète-moi des trucs. Genre, je peux vendre. Ah ouais, je peux vendre. Donc en fait... Je comprends pas le délire. Pourquoi je peux acheter des choses, mais pas... C'est bizarre ça. C'est bizarre. Bah écoute. Je vais racheter des fleurs. Moi j'aime beaucoup les pensées. Je vais aller planter ça dans mon jardin. Mais ouais, c'est bizarre. Tu peux revendre, mais tu peux pas commander. Ils ont pas réussi à programmer. Bah écoute. Ou alors c'est peut-être parce que ça se connecte ou je sais pas quoi, des serveurs. Je sais pas. Je ne sais point. Mais ce petit salaud, il me frappe. Ah ! T'as eu ça où ? Ah là, tu m'intéresses. Comment ça se fait que tu m'as donné une pépite d'or ? Tu l'as eu où ? Tu l'as eu où ? Sur mon île ?
Mon île. Et tu la gardes pas? Bah moi je la vole, hein. Je te la prends. T'es baisé. Je vais l'enterrer. Ah, moi je dis pas non, hein. C'est un don. Ok. C'est pas moi qui vais me plaindre. Ouais, du coup, je vais faire... Je vais planter des pensées blanches, là. Après, je sais pas à quoi elles servent encore. Hein. D'ailleurs, si tu le sais... T'en as à craquer. Ah ouais? Putain, ben moi j'en ai pas tant que ça. Donc je sais pas comment t'as fait. On va mettre un peu là aussi. Déjà ça. C'est vrai que j'ai pensé jaune aussi, mais bon. Vas-y, on va mettre des rouges. Des outils en or. Tu peux faire des outils en or? Alors, comment tu fais? Parce que le mec, il sait pas faire une échelle pour gravir les pentes, mais à côté, Monsieur a des outils en or. Nani. Lui aussi m'emmerde comme arme. Oh merde! Bon bah, ça sera pas pour aujourd'hui là. Tant pis. Elle a cassé. Vas-y, casse-la. Vas-y, encore. Merci. Par contre, enlève pas la bûche. Vu que ça fait venir des insectes, avec les fleurs à côté, je me dis que je vais avoir une bonne réserve d'insectes. Merci bien. Bah moi, en vrai, franchement, j'en ai pas beaucoup, hein, des pépites. Hein. J'en ai eu deux. Et enfin... C'est Farming Simulator. Si seulement... Moi, je kifferais. En vrai, tu vois, ce qui manque à Animal Crossing, et ce qui fait que, du coup, bah... Stardew Valley, tout ça, c'est des jeux qui, bah... Tu peux jouer Animal Crossing et Stardew Valley à côté, tu vois, ça sera jamais la même chose. C'est que dans Animal Crossing, y a pas ce truc de faire des potagers, tout ça. C'est vraiment juste, tu peux faire de l'hybridation de fleurs. Ouais, c'est bien, mais... Je sais pas. Et là encore, c'est un jardin sauvage, hein, ce que je fais. Hein. Les trucs d'hybridation de fleurs, je le ferai plus tard, quand j'aurai un peu compris comment ça fonctionne. Mais il manque ça, je trouve, tu vois. Du coup, je vais faire des flambeaux après. Par contre, j'ai pas la pépite de fer, je crois. Faut que je retourne. Ouais, faut que je retourne chez moi. Mais ça va, enfin, c'est. C'est marrant. Enfin, tu vois, là, le fait de vraiment pouvoir jouer chacun un peu... Pas forcément de son côté, tu vois, mais... Tu visites l'île de ton pote... de temps en temps, tu vois, genre, toutes les semaines, tu vas chez ton pote, tu fais des petites sessions, comme ça. Ce qui manque, c'est les expéditions à plusieurs. Je sais pas si on peut les faire, mais justement, ça serait cool qu'on puisse aller tous les deux à l'aéroport et partir tous les deux en expédition, tu vois. Je vais braquer ton musée. Ah, bah, vas-y. Pourquoi il est plus rempli que toi?
D'ailleurs, je vais regarder si je peux donner mon insecte alors que t'es là. Ça m'intéresse de savoir. J'aurais dû le garder. J'aurais dû le garder, mon bois dur. Et une pépite. Ah, je peux pas prendre une pépite, faut que je prenne tout. J'ai ma petite veste de pêcheur et tout là. Il me manque un petit truc pour aller à la pêche la nuit. J'aime bien faire un peu de roleplay dans Animal Crossing, c'est marrant. Mais oui, j'ai le poisson ruban, oui. Il est tout à droite dans la partie sous-marine. Vous voulez que je vous montre le musée, les gars, après? Parce que je crois qu'on l'a pas montré. Je crois que je l'ai pas montré encore, mon musée. De toute façon, je dois y aller, je dois mettre le mille pattes. Ah, j'aurais dû prendre des cailloux pour faire la fontaine à Nwendo. J'aurais dû. Ah! Oh! C'est la tentative de crise cardiaque qui est honteuse. Le son est beaucoup trop fort. C'est honteux. J'aurais pu mourir. Bravo, tu as fabriqué une hache. Ah mais toi tu connais l'existence du poisson ruban mais tu ne l'as pas en fait. Ah. Puis encore une fois, enfin... Le problème tu vois c'est que moi je pense que je vais avoir une pièce par la suite, il y aura des poissons super rares chez moi. Et genre... Casse-toi. Et genre... même si je t'en donnais un, tu pourrais le donner à ton musée, mais tu pourrais pas... Enfin, ça compterait pas dans ta bébétopédie, quoi. Ah non, il veut pas. Nous avons de la visite sur mon île, ça me rend nerveux. C'est vrai que, bon, voilà, ils ont vu la tête de Wes, ils ont fait « Oh mon Dieu !» Il me tape. Puisque c'est comme ça, bah je vais te renvoyer chez toi. J'ai eu tout ce que je voulais maintenant. Je n'ai plus besoin de toi. Ah, Omewamu, Oshindelu. Monsieur, ferme l'accès, s'il te plaît. Vite! Fermez les frontières! Ah! Il est encore là! Il est encore là! Monsieur! Monsieur, il m'embête! Oh, mais je peux pas... En what? Je peux pas te dire de t'en... Bah, comment on fait? Ça, c'est une bonne question, ça. Avec le Dookphone? Apparemment, faut que ce soit toi qui t'en ailles. Non. Service d'aide. Monsieur, tu peux pas appeler les résidents quand... D'accord. Ah, c'est toi qui dois vraiment t'en aller. Je peux pas te virer de mon île, quoi. C'est ça? Bah, après, en théorie, les mecs, c'est tes amis. D'accord, bah écoute, c'est bon à savoir. Je te remercie de la session, West. Je te remercie des fruits, je te remercie de la pépite d'or, je te remercie du mille pattes, de ta grosse chatte. Je te remercie d'avoir coupé un arbre à ma place, lol. Je te remercie pour tout. Cette rencontre a été fructueuse et profitable. De toute façon, dans pas longtemps, je vais m'arrêter parce que bah, il va être l'heure de manger. Je vous montre mon musée. Parce que de toute façon, après, à part aller arroser mes plantes, j'ai plus grand chose à faire. Puisque ce soir, on est sur Doom.
C'est ça d'être encore célib à 25 ans. On développe une chance aux jeux vidéo immense. Ah, c'est vrai. Mais bon, je préfère me faire sucer tous les soirs. Vous remarquerez que je l'ai pas dit trop fort, hein, parce que... Mon dieu, une abomination sur 1000 pattes! C'est nul comme capacité. Le mille pattes n'est pas qu'un petit animal, c'est aussi un gros bobard. 1000 pattes, tu parles? En réalité, il en a... je crois qu'il en a une cinquantaine. Entre 15 et 171. Ah, mais je suis très loin avec mes 50. Ah, tu peux les compter, les recompter, t'es pas prêt d'arriver à 1000, ça c'est sûr. Imposteur! En plus, il est carnivore et venimeux. Je vais vous montrer un peu le musée. On va passer à la partie insectes. Alors, pour commencer, on a la psyché, donc en gros, bah, c'est une chenille. On a la guêpe qui est dans sa ruche. On la voit pas, tiens. Quelque chose... Ah, me dis pas que comme c'est la nuit, on les voit pas. Non, je pense pas. Là, il y a un cactacanthus. C'est dommage, j'ai l'impression qu'on les voit pas très bien quand ils sont... Enfin, si tu me diras, il est quand même assez énorme. Là, il y a l'abeille naine. Là, si c'est d'elle. Si, c'est la nuit, ils sont moins actifs. Lol. Parce que le cactacanthus, il est gros, mais il est orange, là, donc vous êtes censé le voir un peu, mais... Bon, là, il y a des papillons... Là, sur la souche d'arbre, du coup, vous avez le capricorne des agrumes. C'est pour ça que je laisse des trucs, quoi. C'est plutôt le scolopende qui est venimeux. Bah, je pense que c'est... En fait, quand ils disent 1000 pattes, ils incluent le scolopende dedans, en fait, je pense. C'est peut-être l'appellation populaire, hein, le 1000 pattes, en fait, tout simplement. Donc, c'est compris dedans, peut-être. Ici, on a des olinaraignées. Il y a l'araignée et c'est tout. Pourtant, ah mais il y a la guêpe. La guêpe, elle s'est mise là. Lol. Elle s'est pas mise sur sa ruche. Bah là, il y a la menthe religieuse. D'ailleurs, il y a la menthe religieuse. Par contre, je vois pas la punaise. Elle est là, ok. Il n'y a pas la menthe religieuse orquée? Non, puisque là c'est... Parce que je l'ai capturée, mais je sais pas où elle est. Après tu me diras, il y a encore trois autres pièces, je crois. Oui, voilà, 1000 pattes, c'est appellation populaire. Le macaon. Là on voit des... On voit des... Voilà, ouais, la pyrite de la rêve. Le citrin, le morpho bleu. Là, il y a la coccinelle sur la petite plante. Là, il y a l'escargot. Après, apparemment, on peut donner les coquillages. Faudra que je regarde si c'est vrai, ça. Je suis pas sûr. Là, j'ai le cloporte. Bah, d'ailleurs, il est là, le mille-pattes, du coup. Il y a le papillon de nuit. Ça, c'est un peu le coin dégueulasse. Maintenant que je sais comment on chope la mouche aussi, je vais la choper. Pour demain, je l'ai, je pense. La menthe orchidée, elle est là. Putain, on la voit pas trop. Hein. Après, c'est comme la tarentule, tu vois. Elle est dans le musée et tu la vois pas bien. Ah, elle est là. Ah oui, mais c'est la nuit, du coup, elle sort. En fait, c'est vraiment selon leur habitat. C'est la nuit, bah du coup, le musée, il est différent. Du coup, t'as des poissons et des insectes qui sont plus actifs. Le Bernard Lermite, c'est pareil. Normalement, la journée, il reste dans le petit truc, là. Et la Lydie, par contre, elle bouge la journée.
Ils ont même ça, c'est pris en compte. Putain, c'est pas mal, hein. Enfin, c'est marrant, tu vois. Bon, là, il y a le grand planeur. Qui est à part, parce qu'apparemment, c'est un papillon qui est empoisonné, donc... Ma copine en a une de Mentor Kidé en vrai, il faut les yeux pour l'avoir quand elle est sur sa plante. Hibou, il en veut une de Mentor Kidé. Enfin, c'est... Je le comprends, parce que moi aussi, j'aimerais bien en avoir une. C'est pas très cher. C'est super beau, c'est sympa, c'est original. Enfin, tu vois... J'aurais bien aimé en avoir une. Moi, je suis très fan, c'est des scarabées. Si c'était pas chiant à avoir, tu vois... Parce que faut quand même avoir de l'expérience, je pense. Enfin, j'ai l'impression. Sinon, j'aurais... Je me serais bien fait des scarabées, moi. Bon, le poisson rouge. Le tétard, bon, ils sont sur les nénuphars. Hein. Faut plisser les yeux pour les voir. Bon, le bouvière. La loge des temps. Le crapé. Alors moi, le crapé, j'arrive pas à le choper. Hein. Ça, c'est le crapé de Lady Alucard. Hein. Le mâle enquêté est trois fois plus petit que la femelle. La copine essayait de faire de la repos et s'est fait bouffer avant. Loul. Le bar, la carpe. La carpe koi. Là, je crois qu'il n'y a rien. Donc ça sera par la suite. Je pense que ça sera le brochet, tout ça, mais bon. On a la truite dorée, le saumon maosu, l'omble. Il manque encore un saumon, je crois. Le gobi d'eau douce, la perche jaune, le carassin. Bon, là, il y a la chevenne, la vandoise. La chevenne, ça me dit rien, tu vois. La chevenne. Pas sûr de l'avoir, la chevenne. Comme Lady, elle pêche pas forcément aux mêmes heures que moi. Ah, c'est pour ça que le mille-pattes, je l'avais pas. Il a une heure spécifique. Tu m'étonnes que je galérais à le choper. La chevenne. Bah, c'est encore un poisson qu'elle a que j'ai pas, en fait. Ok, elle a un autre poisson que j'ai pas, du coup. L'esturgeon. Là, ce gros aquarium, je sais pas ce qu'il va y avoir dedans, mais... Au début, je me dis, bah, c'est l'aquarium à requin. Sauf que quand tu vas là... Bah, en fait, l'aquarium à requin, il est plutôt là, quoi. Bah là, il y a le chinchard. Philocrania, la menthe qui a inspiré la queen de Alien. Oh, stylé. Le poisson ruban. Putain, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est trop bien, il est trop beau. Avec le poisson lanterne. Ça a l'air d'être des poissons vraiment plus de profondeur, hein, apparemment. Ce que je trouve stylé aussi, c'est plus tu remplis ton musée, plus il est décoré. Ça fait vraiment genre, le musée, il avance et tout, c'est trop bien. Il est vraiment stylé, le musée. Ils ont vraiment travaillé dessus. Ils ont mis un max sur le musée. Là, il y a les clions. T'as un tunnel et tout, franchement. C'est vachement bien. Bon, là, j'ai rien. Bon, là, j'ai rien non plus. C'est trop bien, là. Animal Crossing, hein, le jeu pour les enfants, hein, souvenez-vous. C'est pas du tout juste un jeu méga chill. Alors là, j'ai pas cette partie-là, donc... on a le petit calmar. Ah, il y a que lui, ici. Ok. Parce qu'il y en a du poisson dans celui-là. Hein. Le vivano, qui est assez rare dans le jeu, quand même. L'imande.
Le cardo, bon, ça c'est assez commun. Le scarus est assez rare. Le bar commun, bon bah. Ça c'est une saloperie, hein. Vous allez voir une grosse onde, vous allez piocher. Enfin, vous allez pêcher. Et vous allez tomber sur lui. Et vous êtes là, mais putain, nique sa mère, c'est une grosse ombre et tout, quoi. T'en as trouvé beaucoup des vivano? Bah, bordel. C'est assez rare le vivano en vrai, hein. Et c'est... Là, ce qui me manquerait, ce serait le Daikyu. Je crois qu'il me manque un saumon spécial aussi que je peux choper. Bah, le crappé, le. La Gevenne, je sais pas quoi. Ah, le fossile aussi que je vous montrer. La chevenne. Oui, il me manque le crappé, la chevenne. C'est des poissons super simples. Tu peux les pêcher, je suis sûr, tout le temps. Mais je les ai pas parce qu'il faut jouer entre 9h et midi. Ou 9h et 4h de l'après-midi. Et bah ouais, j'avoue, Animal Crossing, bah moi j'y joue plutôt la nuit. Hein. Alors là, on a un Anomalocaris, une donation de Lady Alucard. Un Eusténoptéron. Et là-bas, on a normalement, alors c'est des insectes de je sais plus quoi. Des mandibules d'hélicoprion plutôt. Enfin, ça doit être le nom mandibule est dedans, mais pour moi, ça ressemble plus à une sorte d'ammonite. C'est bizarre. Je montre mon musée aux gens. Enfin, notre musée. Je suis en train de faire chauffer. C'est que la chevenne, je l'ai pas non plus. Hein. T'as le crapé, la chevenne, les deux poissons là. Tu les as pas? Non, j'ai pas. Mais t'as les papiers. Alors, le plésiosaure, l'archélon. Bon, le plésiosaure, c'est celui qui a inspiré le monstre du Loch Ness, là, avec les nageoires. Et l'autre, bah, c'est juste la tortue préhistorique, plus ou moins, il me semble. Bah, c'est un diplodocus, je pense. Ouais, voilà, diplodocus. Là, c'est en deux. Là, il y a un Deinonychus. Littéralement, le véritable Vélociraptor hein, de Jurassic Park. T'as pas des masses en fossiles. Bah non, pourtant... Mais tu dois faire plein d'îles, toi, sûrement. Enfin... Archéoptéris. Yeah. Je sais pas comment tu ferais pour en avoir. Par contre, mon T-Rex, il est bientôt fait. Hein. Là, il y a le Spinosaure. Ok. Je savais même pas qu'on avait des morceaux de Spinosaure. Là, le Tyrannosaure. Là, il y a le Paralosaurophus. L'Iguanodon aussi, ouais. Non, Parasaurolophus. Je crois que j'ai mis un lot de trop. Stégosaure, Ankylosaure. C'est quand même les dinosaures les plus connus. Hein. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas le Triceratops, tu vois. Le Pteranodon. Putain, il manque plus qu'un morceau d'aile. Nice. C'est trop stylé, je trouve. Que dalle. T'es la première île que je visite. Hein? Noni? Bah, je suis censé en avoir autant que toi. Hein. Tu peux pas en avoir plus que moi, c'est 3 ou 4 par jour, donc t'as eu le jeu après moi. Ou alors tu time travel. Là, il y a le Brontotherium. Ah. Et on a nos ancêtres. Donc là, le rhino et le cochon, ils ont le... Putain, ils ont fait des arbres généalogiques selon les créatures, selon les descendants et tout. Putain, c'est... Vous vous rendez compte quand même à quel point il est trop bien cet Animal Crossing. Enfin, les gens qui aiment Animal Crossing, ils vont pas me dire que celui-là, ils vont pas l'aimer, tu vois. Je pense que c'est un peu la version ultime d'Animal Crossing. Hein. Pour avoir joué aux autres, pour l'instant, celui-là est vraiment supérieur, quoi, tu vois. Je peux comprendre que certains aiment pas spécialement, par exemple, le dernier Pokémon, malgré qu'il soit super bien. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aiment pas, je sais pas, le dernier Legend of Zelda, parce qu'il est très différent, mais il est quand même super bien. Le Pokémon, ce qui fait qu'il est bien, c'est les raids, les terres sauvages, tout ça, tu vois. Si tu t'intéresses vraiment à la capture, tout ça, tu peux le trouver vraiment cool, le dernier Pokémon. Bien que l'aventure soit peut-être un petit peu courte. Mais là, Animal Crossing, c'est Animal Crossing, mais je trouve en mieux par rapport aux autres, quoi, tu vois. Il est vraiment cool, il n'y a pas de défaut. C'est comme Smash Bros Ultimate, enfin...
c'est vraiment le Smash Bros ultime, Ultimate pour le coup. Et là, bah, c'est pareil, quoi. Je veux dire, c'est difficile de dire, ah, cet Animal Crossing là, il est mieux parce que tu. Je sais pas, hein. Franchement. Je le trouve vraiment plus cool que les autres, quoi, tu vois. C'est un truc des agrumes. Ouais. Genre vraiment. Hein. Bon, il est 19h. Oui, largement même. Moi, je vais vous laisser là. J'ai bien kiffé ma petite session. Enfin, largement, de toute façon, comme j'ai commencé un peu en retard. Chante. Attends, je prends mon catacanthus. Ça se revend cher. Waouh. Moi j'aimerais bien aussi c'est choper le thon. Et en regardant la liste des poissons, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient en mer profonde. Et je sais que Hibou par exemple, il a réussi à choper un thon. Et il était sur le quai. En fait, il était sur le quai que moi j'ai là à gauche de l'île. Et du coup, je me pose la question, c'est est-ce que la mer profonde, en fait, pour eux, c'est simplement... alors là, peut-être que je me foire. Le quai, je sais pas, je crois qu'il est en bas, en fait. Ah, Bernard l'ermite. Ah, il est en bas. Du coup, je me demande s'il faut être sur le quai pour que ce soit de la mer profonde. Parce que en théorie tu vas un petit peu plus loin. Tu vas un petit peu plus loin et genre là du coup t'as l'eau foncée là un petit peu. Avec des appâts à poissons, ça fait peut-être. Je sais pas. C'est là où c'est plus foncé, simplement. Bah moi j'ai jamais de poisson. J'ai pas de bol alors. J'ai jamais de poissons qui se mettent là. Peut-être qu'on les voit pas arriver aussi. Moi non plus, d'accord. Bah, je sais pas comment on fait pour les avoir alors. Il doit y avoir une technique et on n'est pas au courant. Faut juste être chatteux ou essayer les appâts. Bah j'essaierai les appâts. Coucou mon petit ghost. J'essaierai les appâts. Mais ouais, je pense que dans ce cas-là, si ça c'est mer profonde, t'as beaucoup de poissons que j'ai pas essayé du tout de capturer. Notamment le thon, tout ça. J'essaierai. Eh. Chut. J'essaierai. Écoutez, c'est pas grave. Par contre, j'espère que dans pas longtemps, j'aurai le droit de remettre des ponts, parce que gros, je vais en mettre un là, de pont. Hein. C'est chiant. Hein. C'est chiant. Mais bon, tant pis. J'essaierai les appâts entre-temps. Ghost, il arrive quand je vais manger, quoi. Tu vois, déjà, tous les insectes, là, que je suis en train de choper, c'est vraiment parce que j'ai des fleurs, quoi. Parce qu'au début, t'as pas de fleurs sur... T'as pas de fleurs, de toute façon, au début, sur l'île principale. C'est vraiment dans les extensions. Et du coup, bah, là... le fait de choper assez facilement des bébêtes... derrière, tu les revends. Les cacatanthus, là, les catacanthus... Ça vaut quand même bien cher en vrai. Hein.
Ah oui, bah oui, du coup, j'ai la pêche. Voilà. Je vais manger aussi, donc don't worry, bro. Tu veux juste faire coucou, quoi. Ah oui, je dois regarder si je dois, si je peux les donner. Genre là, juste les caca, les caca, les catacanthus. Je crois que c'est genre, voilà, ça, ça te donne 4000 clochettes. C'est 1000 clochettes le cata, quoi. Et en vrai, c'est très commun. T'en chopes pas mal. Quand tu sais qu'à côté, pour choper une clione qui va te donner 1000 balles en poisson, c'est limite plus. Enfin, pas plus, mais... Enfin, c'est plus long. C'est plus chiant. Et autre pour la choper. Je vais te dire que les insectes, pour moi, c'est une source de revenus que je trouve vachement mieux. Hein. Non. C'est vraiment insectes, poissons, fossiles. Je sais pas pourquoi on m'a dit que les coquillages, apparemment, on devait les donner. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Surtout que là, en fait, en vrai, ça va être pas mal. Hein. Des fois, les coquillages, c'est abusé comment ça te rapporte de l'argent. Bon, allez, moi je m'arrête là. Je prends mes quêtes simplement. Je commande mon lampion parce que je suis pas sûr de relancer ce soir sur Animal Crossing. Parce qu'après, on est sur Doom. Même si je vais pas me coucher très tard, ce soir sera une petite session de Doom, hein, ça sera pas une grosse. Déjà parce que j'ai pas dormi beaucoup, mais en plus parce que demain je dois me réveiller pour garder les enfants pendant que ma femme risque sa vie dehors. Pam 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 pam. Faut jamais être plus longue celle-là. Elle est pas assez longue, je trouve. Alors que la musique est vachement bien. Après, si jamais plus longue, du coup, elle coûtera plus cher. Je vais acheter le Murat en brique. Parce qu'en vrai, j'ai l'impression que les murs, les palissades, tout ça, tu dois vraiment les acheter. Avec les nook points là. Donc, et qu'à chaque fois c'est un truc différent. Ah oui, mais je suis con de toute façon. C'est pas dans ce menu là les trucs. Parce qu'un des trucs aussi d'Animal Crossing, finalement, c'est de réussir à choper le plus de... Bah, dans celui-là, en tout cas, de choper le plus de plans et d'objets possibles pour faire des collections, et faire des trucs à thème, et faire des beaux trucs, quoi. Normal. Et celui-là est vraiment cool dans cet aspect-là, vu que t'as vraiment du craft. T'as même du craft où il faut que tu craftes des autres objets pour ensuite crafter un meilleur objet, tu vois. Donc ça veut dire que des objets, des fois, tu vas en crafter... Et bah ils vont servir à autre chose par la suite et tout, c'est trop bien. Alors je dois acheter. Déjà moi je vais l'acheter l'étagère impériale. Je sais plus si je l'ai acheté ou pas. Je sais plus si je l'ai acheté. Je vais acheter un lampion. Ah, faut désactiver les communications de l'aéroport. Bon.
C'est con que tu peux pas le faire d'ici, ça, par contre, tu vois. Parce que là, t'es dans le magasin, y a plus personne chez toi. Et bah oui, mais ton aéroport, il est ouvert. Bon, allez, c'est pas grave. En tout cas, moi, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui veulent pour Doom. Et puis, bah, Animal Crossing, de toute façon. Demain, je crois. Je crois que demain, j'ai dit que je ferais du Animal Crossing. En plus, il chante. Je regarde juste. Planning. Non, demain, c'est Phonics Ride 2. C'est jeudi qu'on refait une session un petit peu Animal Crossing. Et samedi, toute la journée, on fera du Animal Crossing, y compris au soir. Ouais, il n'a pas donné le jeu de saucisse. Voilà. Voilà à peu près le planning, que de toute façon vous verrez quand je serai déconnecté. Donc je vous dis à ciao, bonsoir. Salut, salut.